بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. On fait une bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et plus particulièrement la science du tawhid. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afdalul a'mali imanum billahi wa bi rusuli wa rasulihi » ça veut dire la meilleure des œuvres et de croire en Dieu et en son messager. Et dans la version de Muslim, « Afdalul a'mali imanum la shakka fi » la meilleure des œuvres est de croire sans douter. Et on fait une bonne intention, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu bin niyyat » comme rapporte Al-Bukhari et Muslim, certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Et on continue dans l'explication de la parole d'Ibn Rashir, le grand savant Maliki, et on mentionne également certaines choses du commentaire de Al-Mayara. Comme son commentaire il est assez dense, on se pioche un peu, je ne vous lis pas tout sinon ça prendrait trop de temps, et puis il y a des choses c'est technique pour des débutants aussi. وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان وذا محال وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازمي. Donc on s'est arrêté là la fois dernière. Dire la preuve de l'existence de Allah Azza wa Jal, elle a un argument catégorique qui est le fait que tout ce qui est créé a besoin d'un créateur. Ça, on l'avait expliqué la fois dernière. Et après, il a dit « Lo hadathat binafsi al-akwanu » si les mondes ni les créatures seraient été créés toutes seules par elles, c'est-à-dire qu'elles n'auraient pas eu de créateur, elles auraient été existées par elles-mêmes, elles auraient été existantes par elles-mêmes. « Lajtamarat tasawi wa rujuhanu » alors l'équivalence et la prévalence auraient été réunies dans une même chose, et ça c'est impossible selon la raison. Il y a une règle chez les savants du tawhid qui disent que ijtimar du dain mustahil aqlanan. Ça c'est des choses qui sont impossibles, que il y en a ils comprennent pas quand on dit possible selon la raison, ils confondent le possible rationnel et le possible habituel. C'est pas parce que le feu de manière empirique ou expérimentale, le feu habituellement il brûle, que c'est impossible selon la raison qu'il ne brûle pas. C'est possible selon la raison que Dieu fasse que le feu ne brûle pas. Et les savants, ils citent même un exemple dans ça. Ils citent deux exemples. L'autruche. C'est quoi les exemples avec l'autruche? L'autruche, quand elle a peur, elle enterre sa tête. D'accord? Et elle court vite. Et elle pond des œufs. Quand elle a peur? Non. Mais elle court vite et elle pond des œufs. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est un oiseau qui ne vole pas. Non, en étant sérieux, l'autruche, elle peut manger des braises ou du métal chauffé à blanc et elle l'avale et ça ne lui fait pas du mal. C'est-à-dire pour elle a du plaisir à manger ça, quoi. Alors que normalement, tu te brûles la gorge. Bah, l'autruche, ça ne la brûle pas. Également, tu as un autre animal qui s'appelle sa mandale et ce n'est pas la salamandre. Hein. Sa mandale, ça va en diverger, c'est quoi exactement? Certains, ils ont dit, moi je pense qu'ils visent le phénix. C'est-à-dire que c'est un oiseau qui pond ses œufs dans le feu. T'as le feu, l'oiseau, il pond ses œufs dedans. Et s'il veut se laver, il rentre dans le feu et ça le lave. Toutes les saletés, elles brûlent, mais lui, il ne brûle pas. Et les savants, ils disent que c'est un oiseau qui vivait en Chine. Alors, à ma connaissance, le seul oiseau qui vit en Chine et qui ne brûle pas et qui sort du feu, c'est le phénix.
qui est né de ses cendres, disent. Voilà, donc ça c'est mon point de personnage, je pense que c'est du phénix. Eux ils l'appellent Samandal, tu vois. En tout cas, certains disent c'est un oiseau qui pond ses œufs dans le feu et qui vit en Chine. Et certains ils ont dit c'est un animal qui a une fourrure et qui, quand il veut se laver, en fait, il rentre dans le feu. Du coup, le feu il brûle toutes les saletés, mais il brûle pas ça, il ne brûle pas l'animal. Il ressort tout propre. Et ils disent que dans le passé, certains sultans musulmans, etc., ils faisaient des sortes de châles ou de grands tissus, et donc d'une coudée environ de large. Donc c'est un animal qui est grand, quoi. Ils faisaient des tissus comme ça, de fourrure de cet animal-là, de 50 cm environ ou plus, de côté, utilisés pour faire le ménage ou autre. Et quand ils voulaient le laver, ils le mettaient dans le feu. Qui brûle, tout brûle dans le tissu, toutes les saletés. Après, il ressort, il est propre. Et cet animal-là, il est connu chez les savants sous le nom de Samandal. C'est pas la salamandre. Salamandre, c'est une espèce de lézard rouge et. Pardon, je suis très fatigué. Jaune et noir. Ça, c'est autre chose, d'accord. Là, on parle d'un animal qui a une fourrure, qui a des poils, hein, qui rentre dans le feu et qui brûle pas. Et certains, ils ont dit que c'est un animal à plumes, mais c'est cet oiseau-là qui pond ses œufs dans le feu. Donc, ça prouve bien que le feu. Et puis même, on le sait de nous-mêmes. Est-ce que le feu, il arrive à brûler l'eau? Non. Est-ce que le feu, il peut brûler la terre? Non. La terre, elle éteint le feu. C'est pour ça que Adam est meilleur que aussi Iblis. Iblis, il a pensé que comme il est créé de feu, il est plus fort que Adam créé de terre. Alors le feu, il est instable alors que la terre, elle est stable. Le feu, il détruit alors que la terre, elle construit. Tu peux construire avec la terre, mais tu ne peux pas construire avec le feu. Et également. La terre, elle peut éteindre le feu alors que le feu ne peut pas détruire la terre. Si tu mets de la terre sur du feu, s'éteint. Si tu mets le feu à de la terre, elle cuit, mais elle ne brûle pas, c'est bon? Et c'est pour ça que l'être humain, il est plus stable que les djinns. Les djinns sont plus volatiles, plus. Comment dire? Ils sont plus instables, tu vois. Ils sont moins patients, ils sont plus pervers. Alors que l'être humain, il est plus posé. Et ça vient de la nature de la terre. Outre le fait, bien sûr, c'est pas ça qui fait uniquement que Adam est meilleur que Iblis, c'est que Adam c'est un prophète, il est musulman, vertueux, alors que Iblis c'est le chef de la mécréance. Mais les savants du tafsir, ils ont dit que Iblis il a fait une analogie qui est fausse en fait. Parce que lui en fait par orgueil, il pensait que la terre en fait elle était plus faible que le feu. Et en réalité c'est le contraire. Et lui il n'a pas saisi cela, tu vois. C'est pour ça qu'il a refusé de se prosterner pour Allah et qu'il avait preuve d'orgueil. Il a dit, mais est-ce que tu as demandé de me prosterner pour quelqu'un qui est créé à partir de terre alors que moi j'étais créé à partir de feu? Il a pensé que le feu était plus fort que la terre. Ça l'a mené à la prétention, à l'orgueil et à se rebeller contre Dieu en fait. À considérer que Dieu a créé les choses sans sagesse. C'est ça la mécréance de l'Église. C'est pas le fait qu'il ne s'est pas prosterné. Hein. Si quelqu'un refuse de se prosterner, c'est un péché. Ils désobéissent à Allah, mais ils ne sont pas dans la mécréance. C'est pas ça la mécréance de l'Église. C'est le fait qu'il a attribué l'absurdité dans l'ordre de Allah d'ordonner à Iblis de se prosterner pour Adam. C'est comme s'il disait ton ordre il n'est pas logique en fait. C'est absurde quoi, c'est l'ignorance de demander ça quoi. Et celui qui attribue l'ignorance à Allah, il n'est pas musulman. Dieu l'a dit, Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Ça veut dire, pensez-vous donc que nous vous avons créé absurdément, Arbatha? Ça, c'est une notion ultra importante. Dans le Coran, Dieu l'a dit qu'il n'a pas créé les cieux et la terre pour jouer. Il n'a pas créé les créatures absurdément. Ça veut dire quoi? À dire sans raison, pour rien. Tout le monde y va, qu'est-ce qu'il veut. Chacun il fait ce qu'il veut, il n'y aura pas de là, pas du jour. Non, Dieu a créé les créatures pour qu'elles l'adorent, c'est-à-dire pour leur ordonner de leur adorer. Dieu l'a dit, Wama khalaqtul insa wal jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour leur ordonner de m'adorer. Ici, illa liya'budun, ni que afin qu'ils m'adorent. Ici, ça ne veut pas dire que Dieu a créé les créatures. Et il voulait que toutes les créatures l'adorent, parce qu'on sait que la plupart des créatures n'adorent pas Allah, Azza wa Jal. Je parle de la part des créatures parmi les humains et les djinns, parce que les anges sont les plus nombreux, ils adorent tous Allah. T'as compris ou pas? Donc on ne dit pas Dieu l'a créé les djinns et les humains pour qu'ils l'adorent dans le
le sens que ils ont dit liyarboudoun, ça veut dire afin de leur ordonner de m'adorer. T'as compris? Dieu l'a créé les créatures pour leur donner l'ordre de l'adorer. Mais après, il a voulu qu'une partie d'entre elles l'adore et une autre partie d'entre elles ne l'adore pas. T'as compris? Mais ça veut dire que l'objectif de notre existence à nous, c'est d'adorer Allah. Dieu nous a créés pour qu'on l'adore. C'est-à-dire qu'il nous a créés pour que nous, notre rôle sur terre, c'est d'adorer Allah. Et après, celui qui l'a adoré, il aura comme récompense le paradis. Celui qui ne l'a pas adoré, il aura comme rétribution le dur châtiment. T'as compris? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu, il a créé les créatures, il voulait que tout le monde l'adore et puis ça n'a pas marché. Ça voudrait dire que Dieu serait faible. T'as compris? Donc, illa liya'budun, illa liya'murahum bi'ibadati. وهنا النون في الأخير نون الوقاية يعني إلا ليعبدوني وحذفت يعني الياء ليست مذكورة هنا يعني يجوز حذف ياء النفس يعني ياء المتكلم لكن بقي نون الوقاية بقيت مع الكسرة دلالة على المحذوفة الياء المحذوفة ليعبدوني لكن أدبا مع القرآن نجتنب كلمات حذف يعني فليس خطأ في النحو هنا لأنه في الأصل لام التعليل ليعبدوا يعني تضاف النون النون التي هي علامة الرفع في الفعل المضارع هنا عند التعليل إذا دخلت عليه لام التعليل ليعبدوا أصله يعبدون إذا دخلت اللام عليه ليعبدوا بدون نون لكن هنا النون التي مذكورة في الآية ليس النون التي هي علامة الرفع في الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة إنما هي نون الوقاية ويدل عليه الكسرة تحتها تدل على الياء المتكلم للمتكلم فليعبدون ليعبدوني يعني ليس خطأ في القرآن الجاهل بالنحو قد يتوهم أن هناك خطأ هنا في الآية من حيث النحو Il y a des gens ignorants, ils essayent de trouver des erreurs dans le Coran, soi-disant. Il y en a même, ils ont écrit un livre soi-disant les erreurs du Coran. A'ouzoubillah, celui qui croit qu'il y a des erreurs dans le Coran, il n'est pas musulman. D'accord? C'est un livre révélé, il n'y a aucune faute dedans. Mais ceux qui sont ignorants de la grammaire ou qui ont appris une partie de la grammaire arabe et qui ne connaissent pas toutes les règles, ils croient qu'il y a une faute dans la ayah. Parce qu'à la base, afin qu'il m'adore, en arabe, quand tu dis afin qu'il fasse telle chose, en fait, en arabe, les fins des mots, ils montrent la marque grammaticale du mot. Quand le verbe. Il est au présent, conjugué au présent. Et au pluriel, la marque du pluriel, en français, on va mettre quoi? Ils font, tu vois, par exemple. En arabe, on met ouna, avec un noun à la fin. Ouna, yafalouna, tu vois. Et le ou, comme ça, prolongé, le waou, ça, c'est le signe que c'est au pluriel, c'est bon? Et le noun à la fin, c'est pour montrer que le verbe, il a un jugement grammatical particulier, c'est bon? Et ce jugement-là, grammatical particulier, il change quand tu mets un li avant qui veut dire afin que. Et en arabe, quand tu dis afin que, tu enlèves le noun à la fin du verbe. Parce que le verbe, normalement, il est en dessous. Bon, ça, c'est en grammaire, c'est bon? Donc, normalement, tu veux dire afin qu'ils adorent. Ils adorent en arabe, tu dis yarbuduna avec un noun à la fin. Et si tu mets un li avant pour dire afin qu'ils adorent, tu vas dire liyarbudu et tu enlèves le noun. Tu dis pas liyarbudun, liyarbudu. Et t'enlèves le noun. C'est bon? Et dans la ayah, Dieu l'a dit, illa liya'budun. Tu vois? Tu as l'impression que ici, tu as le li pour dire afin que, lettre li, hein, liya'budun, mais le noun, il est resté. Si quelqu'un, il n'a pas pris la grammaire, il va croire qu'il y a une faute de grammaire ici, mais il y a le li. Quand tu mets li, le mot li, tu dois enlever le noun à la fin du verbe. Et en fait, ce n'est pas une faute du tout. C'est qu'en fait, c'est liyarbuduni, c'est pas afin qu'ils adorent, c'est afin qu'ils m'adorent. Et m'adore, le m qui veut dire moi, en arabe, on le met à la fin du verbe. On met un rajoute un ya. C'est bon? Et pour pas que le ya, il change la fin du verbe, parce qu'à la base, c'est yarboudou, et donc si tu mets un ya, ça fait yarboudouille, tu vois. Ou yarboudou, et normalement, tu vas dire i à la fin, tu vois. Donc, c'est-à-dire quoi, yarboudouille, tu vois. Donc, ou alors, tu vas dire liyarboudi, ça va changer la fin du verbe. Donc pour qu'on voit qu'il y a encore le ou à la fin qui veut dire le pluriel, et ben on met un noun entre la terminaison du verbe, la lettre noun, n, et le i qui veut dire moi. Donc je vais dire liyarbudu ni. T'as compris? Liyarbudu, ça veut dire ils adorent, et
i, ça veut dire moi, donc il m'adore, et le nun en plein milieu, c'est pour empêcher que le i, il influe sur la terminaison du verbe. T'as compris? Donc on appelle ça nun al-wiqaya, le nun de protection. En fait, ça protège la fin du verbe d'être changé par la terminaison du i. T'as compris? Et en arabe, des fois, un seul mot, en fait, t'as trois mots mais collés ensemble, quoi, ou deux mots ici. T'as le verbe et le COD qui sont dans le même mot, en fait. Le verbe, c'est yarbudu, et le COD, c'est i, moi, yani. Ils adorent moi, c'est bon? En français, on va mettre avant, on va dire il m'adore, le pronom, on va le mettre au début. En arabe, on le met à la fin, et on le colle au verbe. C'est bon? T'as compris jusque-là? Yarbudu, ni. Et en fait, quand tu dis liyarbudu, ni, en arabe, quand tu as ni comme ça à la fin, tu as le droit d'effacer le ya aussi. Des fois, je dis liyarbudu, ni, sans le ya de prolongation. T'as compris? Et comme en arabe, on s'arrête sur une soukoun quand on parle, et que la fin de la aya, c'est liyarbudu, ni, bah, du coup, on s'arrête sur une voyelle muette. Donc, on va dire liyarbudun. Mais en fait, dans le Coran, tu verras que c'est marqué liyarbudu, ni. Et en fait, à la base, c'est liyarbudu, ni. Avec le ya, mais le ya n'a pas été écrit dans le Qur'an parce que Dieu l'a révélé comme ça sans ya. Mais il reste une kasra qui indique qu'il y avait un ya, il reste la voyelle i. Et donc quand tu récites, tu dis liyarbudun. Et en fait, à l'oral, comme ça, tu as l'impression qu'il y a une erreur de grammaire. Parce que j'ai l'impression que c'est le noun à la fin qui est le noun du présent, tu vois, quand il n'y a pas le afin que. Je sais pas si t'as compris, t'as pas compris. En fait, normalement, tu dois dire liyarbudu. Et dans le Qur'an, c'est liyarbudun. Et normalement, tu dois effacer le noun. Mais là, en fait, c'est le noun qui n'est pas le noun du présent, mais le noun qui est là pour empêcher qu'il y ait un i à la fin. Pour empêcher que ça fasse liyarbudi. Voilà, bon, ça, c'est de la grammaire. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. En arabe, c'est plus clair. C'est juste pour vous dire que le Qur'an, il n'y a pas d'erreur dedans. Et qu'en grammaire, des fois, il y a des choses dans le Qur'an qui ne sont pas usuelles en arabe. Et en réalité, il faut apprendre plus dans la grammaire pour savoir pourquoi c'est comme ça dans le Qur'an. C'est une chance. Bon, le fait est, c'est que juste que cette ayah signifie que je l'ai créé les humains et les djinns afin de leur donner de l'adorer. C'est bon? Donc ils ne sont pas créés tout seuls. Et s'ils avaient été créés tout seuls, eh ben, il y aurait deux contraires qui se sont rassemblés. Et ça, c'est impossible selon la raison. Donc impossible selon la raison, c'est-à-dire que c'est impossible que ça ait lieu. Donc le feu, Dieu il a dit « Kouni baldan wa salaman ala Ibrahim » quand Ibrahim a été jeté dans le feu par le roi Nemrod catapulté dedans. Et c'est à ce moment-là qu'a été inventé la catapulte. Catapulte, tu sais que c'est qui l'a inventé? C'est Iblis. À 11 000 là. Eux, en fait, ils avaient allumé un feu qui a brûlé pendant plusieurs jours. Tellement il était puissant le feu qu'il a fait Nemrod, que si un oiseau il volait au-dessus, il brûlait. Et en fait, il était tellement puissant le feu qu'à la fin, ils se sont retrouvés tout bêtes. Pourquoi? Parce qu'on dit, ok, on a fait un grand feu, mais comment on va mettre Ibrahim dedans maintenant? On ne peut pas s'approcher du feu. Et du coup, ils sont restés bloqués. Et là, Adam, Iblis le maudit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la forme d'une personne et il allait voir un des mécrans qui s'appelait Hizan et il lui a enseigné comment faire une catapulte. Comme ça, tu peux éjecter de loin Ibrahim dans le feu. Et c'est le premier qui a inventé la catapulte. Et ils l'ont fait pour ça à la base. Et après, cette personne-là, il a été châtié dans le bas monde. Celui qui a fait cette catapulte-là pour tuer Ibrahim. Et du coup, c'est comme ça qu'ils sont appelés en arabe Al-Minjaniq. Et c'est comme ça qu'ils ont jeté Abraham dans le feu, Ibrahim alayhi salam. Et pendant qu'il était en l'air, il y a Jibril qui est venu l'aider. Ibrahim, il a dit, de toi je n'ai pas besoin, mais de Allah j'ai besoin. Et le fait que Dieu il sache mon état, ça me dispense de lui demander de m'aider. Tellement tu as vu le tawakkul qu'il avait, la confiance en Allah azza wa jal. Et ça prouve que lui, il n'est pas comme Iblis. Iblis, il attribue l'ignorance à Allah. Quand il a dit que c'est absurde qu'il leur donne de se prosterner pour Adam, c'est comme il disait, tu es ignorant de ce qu'il fallait faire, quoi. Et donc, Dieu leur a donné au feu que le feu ne brûle pas. Et il a dit, Kouni baldan wa salaman ala Ibrahim, soit un froid, une fraîcheur et protection, une sérénité pour Ibrahim. Et il est tombé dedans, il ne s'est pas cassé les os et le feu ne l'a pas brûlé. Il a juste brûlé les liens qui l'attachaient. Et après, il est resté dans le feu pendant plusieurs heures, quoi. À la fin, Dieu l'a envoyé à un ange qui est rentré dans le feu aussi avec Ibrahim. Et qui a pris l'apparence d'Ibrahim, et les deux étaient assis dans le feu, comme ça pendant 3 jours, et ils discutaient entre eux. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait le roi Nemrod, le maudit là, Numrud, on peut dire aussi Numrud en arabe, il a construit un échafaudage pour voir de loin est-ce qu'Ibrahim y brûle, et il a vu qu'Ibrahim il était avec quelqu'un dans le feu, assis en train de discuter. Et après, il a appelé Ibrahim de loin, il a dit, mais est-ce que le feu te brûle? Il a dit non. Il a dit, est-ce que tu es capable de sortir? Il a dit oui.
après il a quitté plus tard l'Irak, Babylone, pour aller après vivre en Palestine. Et ce roi-là, il a été châtié, Dieu lui a fait rentrer des insectes dans sa tête et il se tapait la tête contre le mur tellement ça lui faisait mal. Et à la fin, les gens lui donnaient des coups de poing dans la figure, il tapait avec des sandales, etc. Et il est mort comme ça. Et Dieu l'a humilié parce que la personne-là, il prétendait être Dieu, Nimrod. Et Dieu l'a humilié par un tout petit insecte qui sont rentrés dans son oreille. Et après, ça n'a pas quitté sa tête et il était limite fou, quoi. Il tapait la tête contre le mur, les gens lui donnaient il demandait aux gens de lui donner des coups de poing, pour calmer sa douleur dans la tête. Et il est mort comme ça. C'est-à-dire que toi qui prétends être Dieu, un tout petit insecte, t'as même pas été capable de t'en préserver. Dieu l'a humilié comme ça dans le bas monde. Et il y aura un dur châtiment dans le bas monde aussi. Et donc, Ibrahim alayhissalam, il l'a pas brûlé. Donc ça prouve que c'est possible sans la raison. Même si tu n'as pas ces preuves-là, mais si tu réfléchis, tu dis qu'est-ce qui empêche que le feu ne brûle pas? Il y a bien des choses qui ne brûlent pas dans le feu aussi. Si tu mets un diamant dans le feu, il va brûler le diamant. Quand tu fais un barbecue, le barbecue il brûle pas avec ce qu'il y a dedans. Le feu il brûle le reste, mais pas la grille que tu mets sur le feu par exemple. Donc il y a des choses. Le feu ça fait fondre le métal, mais ça brûle pas. Ça consomme pas le métal en général. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même le bois, une poutre de bois qui a 300 ans, 500 ans, elle est aussi dure que la pierre, elle ne brûle pas avec le feu. Des très anciens trucs en bois, etc. Les bois de chêne vraiment très denses, etc. Bah, ça ne brûle pas normalement avec le feu. Tu mets un chalumeau dessus, le truc ne fait rien du tout. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut différencier le possible, l'impossible rationnel et l'impossible habituel. C'est-à-dire, si tu réfléchis, il y a plein de choses qui sont possibles selon la raison, qui ne se passent pas d'habitude, mais c'est possible selon la raison. N'est-ce pas que c'est possible que l'eau, elle devienne une montagne et qu'elle tient en l'air toute seule comme ça? N'est-ce pas que Moussa, alayhi salam, quand il a traversé la mer Rouge, la mer s'est divisée en 12 passages, pas en un passage comme les chrétiens, en 12 passages. Et entre chaque passage, tu avais des murs d'eau comme ça, bah, toute l'eau, elle est remontée comme ça, elle tenait en l'air. Donc ça a libéré la terre, et tu imagines comment ça va être impressionnant? Et il n'y avait rien qui sonnait la puissance de Allah. L'eau, elle est liquide, mais elle tenait en l'air comme ça. Donc il faut distinguer les deux, quoi. Il y en a, malheureusement, ils ne comprennent pas celui-là. C'est pas qu'on dit, ah, mais c'est impossible. Par exemple, quelqu'un dit, ouais, je tombais du 10e étage, je ne suis pas mort. Il me dit, ah, mais c'est impossible et tout. Ils ont l'habitude, c'est rarement possible, mais selon la raison, c'est pas impossible. Tu vois? Donc il faut distinguer l'impossible rationnel de l'impossible habituel. Parce qu'il y a trois types d'impossible. Il y a l'impossible selon la raison, l'impossible selon l'habitude et l'impossible selon les textes. Un exemple tout simple, le paradis et l'enfer sont créés. Donc rationnellement, est-ce que c'est possible que le paradis et l'enfer aient une fin? Selon la raison, oui, parce qu'ils sont des créatures. Mais selon les textes, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le texte il t'informe que le paradis et l'enfer n'auront pas de fin. Et Dieu ne va pas créer le contraire de ce qu'il a voulu. T'as compris? Donc on va dire que le fait que le paradis et l'enfer aient une fin, c'est possible selon la raison, mais selon les textes, c'est impossible. C'est bon? Et selon l'habitude aussi, les choses ne sont pas éternelles, tu vois. Donc tu as compris? Par exemple, est-ce que c'était possible, selon la raison, que ça soit permis pour nous de se marier avec notre sœur? C'était possible selon la raison. Mais comme Dieu il nous a interdit cela, bah, c'est impossible que ça soit permis dans notre communauté à nous parce que Dieu l'a révélé que c'est interdit. Mais c'était permis avant, à l'époque de Adam. Tout début, c'était pas ta sœur jumelle, pour que les humains ils puissent se multiplier, parce qu'il n'y avait que les enfants de Adam à l'époque de Adam. Alayhi salam. Il y a plein d'exemples comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est possible selon la raison, mais des fois, c'est impossible par rapport au texte. Bon, est-ce que c'est possible selon la raison qu'il y a un autre prophète qui arrive après Mohammed, autre que le prophète Jésus, mais quelqu'un qui reçoit la révélation après le prophète Mohammed? Rationnellement, c'est possible. Il aurait pu y avoir 15 000 prophètes. Après nous, et le monde aurait pu durer plus longtemps qu'il ne dure. C'est possible selon la raison que Dieu ait créé quelqu'un meilleur que Mohammed, alayhi salam. Il y a plein de choses qui sont possibles selon la raison. Mais après, comme le texte nous a fait savoir que le prophète Mohammed est la meilleure des créatures, et que le prophète Mohammed est le dernier des prophètes, on dit c'est impossible qu'il y ait une créature meilleure que Mohammed. C'est impossible qu'il y ait un prophète qui reçoit la révélation après Mohammed. Mais c'est impossible au point de vue des textes. Mais rationnellement, c'est possible. Tu vois? Donc le champ des possibles, il est restreint aussi au. C'est comme le champ de compréhension aussi. Les mots, ils ont un sens dans la langue, ils ont un sens dans la religion, ils ont un sens selon la coutume.
Ben c'est pareil aussi, c'est-à-dire que des fois le vocabulaire il change en fonction du contexte. Et également le champ des possibles, il varie en fonction du talonnement d'évaluation du possible. C'est-à-dire est-ce que toi tu prends comme référence la religion, est-ce que tu prends comme référence la raison ou est-ce que tu prends comme référence l'habitude? Tu prends comme référence l'habitude, il y a plein de choses qui sont impossibles. Mais si tu prends comme référence la raison, il y a beaucoup de ces choses-là qui sont impossibles selon l'habitude, qui sont possibles selon la raison. Et parmi les choses qui sont possibles selon la raison, il y a beaucoup de choses d'entre elles qui sont impossibles du point de vue religieux. Parce que Dieu nous a fait savoir que ça n'aura pas lieu ces choses-là. T'as compris? Et c'est là aussi qu'on voit aussi l'importance d'apprendre la religion. Parce que celui qui n'a pas appris, eh ben, il va comprendre en fait les notions religieuses avec une compréhension des sciences profanes en fait, ou une compréhension usuelle, habituelle, et il ne va pas comprendre qu'est-ce que ça vise. Et c'est ça aussi le danger de lire tout seul dans les livres avec une compréhension d'une personne en fait qui livre avec une compréhension de quelqu'un qui lit un livre qui n'est pas un livre de religion. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça on ne cessera jamais d'en parler de ça. Hein. Celui qui lit tout seul dans les livres, c'est obligé qu'il s'égare. Il n'a pas de moyen de ne pas s'égarer. Parce qu'il va lire les livres avec une compréhension de quelqu'un qui lit un sujet qui n'est pas de la religion. Et même si quelqu'un il a appris la religion, mais juste dans les livres de débutants, et qu'il veut lire dans les livres avancés des savants, la compréhension du vocabulaire et le sens des mots dans les livres de religion, ils changent en fonction du niveau du livre. C'est-à-dire qu'il y a des expressions qu'on emploie dans les livres pour débutants qui n'ont plus le même sens dans les livres plus avancés. Et en fonction des sens, des sciences, le même mot, il change de sens. Par exemple, l'azim, dans la science du tawhid, quelque chose qui est l'azim, ça veut dire la conséquence de quelque chose qui est indissociable d'une autre. Par exemple, si quelqu'un il dit que Dieu est dans une direction, comme l'a dit le Rosali, c'est quoi le lazim de ça? Ben, que Dieu serait un corps. Donc c'est impossible. C'est bon? Le lazim dans le fiqh, ça veut dire ce qui est obligatoire. Ce qui t'incombe de manière obligatoire, si tu ne le fais pas, c'est haram. Le lazim dans la science du tajwid, le mad lazim par exemple, c'est quand tu dois prolonger 6 temps. Enfin, dans la règle tajwid, c'est obligatoire que tu prononces 6 temps, pas moins. C'est pas haram, mais dans le vocabulaire du tajwid, il ne faut pas que tu aies fait une erreur de tajwid, il faut que tu prononces 6 temps, c'est un mad lazim. Lazim, et il y a d'autres choses aussi dans la langue arabe, il y a d'autres sens pour le lazim aussi. Donc des fois ça veut dire la conséquence, des fois ça veut dire l'obligation, des fois ça veut dire ce qui incombe à la personne, etc. Et bah, si quelqu'un lit, voit le mot lazim, bah, en fonction de la science qu'il est en train de lire ou d'étudier, bah, le mot n'aura pas le même sens. Tu vois? Et il y a plein d'exemples comme ça. Et ça on parle en arabe. S'il lit les livres en arabe. Donc même un arabophone, il risque de mal comprendre le livre parce que c'est pas ce qu'on appelle l'istilah al-ulama. C'est quoi les conventions des savants? Alors imagine quand ils traduisent en français. La plupart du temps, déjà, ils changent le sens des mots quand ils traduisent. Alors là, comment tu vas faire après? C'est vrai que la science, ça se prend pas en lisant tout seul dans les livres. C'est vrai qu'on passe du temps aussi à expliquer ce qui est marqué dans le livre. Donc les contraires ne se rassemblent pas. Une chose ne peut pas être à la fois celle qui a fait prévaloir son existence et à la fois être équivalente dans son existence ou inexistence. Et donc les savants ils disent le fait que deux contraires se rassemblent, ça c'est quelque chose qui est impossible selon la raison. C'est pas juste impossible virtuellement. C'est-à-dire que c'est impossible rationnel. Et si quelqu'un considère que c'est possible, il n'est pas musulman. Par exemple, qu'une chose soit vivante et morte en même temps. Que quelqu'un y soit à un endroit et à un autre au même moment. Que quelqu'un y soit à la fois dedans et dehors. Dans un même lieu, etc. Etc. Tu vois, deux contraires qui rassemblent. Un truc qui est à la fois blanc et à la fois noir. Ça marche pas. Soit t'es blanc, soit t'es noir, tu vois. Ou une autre couleur, mais ça veut dire que tu peux pas avoir deux contraires en même temps. Quelque chose qui est à la fois immobile et à la fois en mouvement. Ça ne marche pas. Une chose est soit immobile, soit en mouvement. On parle d'une créature. Dieu, en revanche, lui, il est ni dedans, ni dehors, il est ni en mouvement, ni immobile, parce que Dieu ne ressemble pas aux créatures. C'est obligatoire selon la raison, ça chez Allah Azzawajal. Mais pour la créature, c'est impossible selon la raison. Pourquoi? Parce que la créature est un corps. Et le corps, c'est impossible qu'il soit ni en mouvement, ni immobile. Le corps, c'est impossible qu'il soit ni dedans, ni dehors. Un corps, un volume, quand on dit corps, c'est-à-dire le volume, même si ce n'est pas avec des membres, un volume, c'est impossible qu'il soit dans un endroit et en même temps dans un autre endroit au même moment. Mais Dieu n'est pas un corps, donc tout ça, ce n'est pas impossible pour Allah Azza wa Jal, selon la raison le concernant. Parce que Dieu n'est pas un volume, donc
Il n'a pas la wazim al-ajsam ici, il n'a pas les lazim qui incombent au corps. Mais pour nous, c'est impossible parce que nous sommes des corps. Tu as compris le sujet? Et comme il a dit le Razali aussi, c'est qu'en fait, il a dit. C'est un frère qui me l'a dit hier, même si c'était des certaines paroles de Razali, Mohamed al-Razali, pour dire qu'il y a plein de savants qui ont parlé de ce sujet-là. Il disait en fait que le problème des Mushabbiha, ou des Mujassima, ceux qui croient que Dieu est un corps, donc comme les Wahhabites. Et... Alors les Wahhabites, ils disent oui, mais est-ce qu'avant, est-ce que Mutamia c'était un Wahhabite? Non, c'était pas un Wahhabite. Est-ce que le Qayyim Jauziyya c'était un Wahhabite? Non, c'était pas un Wahhabite. Mais ils ont la croyance des Wahhabites. C'est-à-dire que le Wahhabite, c'est juste la version actuelle depuis 300 ans de ce qu'on appelle la secte des Mujassima, les corporalistes. Moi, j'aime pas dire anthropomorphisme, parce que anthropos, c'est homme en grec. C'est-à-dire ceux qui attribuent l'apparence d'un homme à quelque chose. C'est ça l'anthropomorphisme. Or, quand les savants ils parlent de corps, ils ne visent pas uniquement le corps humain. Ils visent tous les volumes. Même si ça n'a pas un bras, des jambes, une tête. Donc, anthropomorphisme, tu restreins le sujet à l'anthropos, à l'homme. Or, ceux qui croient que Dieu est une âme ou que Dieu est une lumière, on dit qu'il est mujassim. On dit qu'ils croient que Dieu est un corps. Parce que la lumière est un corps. Et le corps en français veut dire aussi le volume. On dit bien les corps célestes. On dit bien le corps d'un texte. Ça ne veut pas dire qu'il a un bras, des jambes et une tête. Donc ici, il faut bien comprendre aussi, quand on parle du mot corps, ce n'est pas le corps humain. C'est corps au sens du volume. On dit bien un corps d'entreprise, on dit bien un corps. Le corps en français, il a un sens beaucoup plus large. Le corpus, Yanni. Corpus, c'est un sens beaucoup plus large que le corps humain. Hein. Donc quand on dit Dieu n'est pas un corps, ça ne veut pas dire. Ça aussi, c'est le problème, c'est que la compréhension des gens aussi. Quand on dit Dieu n'est pas un corps, ça ne veut pas juste dire Dieu n'est pas un humain. C'est-à-dire Dieu n'est pas un volume, Dieu n'est pas carré, rond, Dieu n'est pas un volume du tout. C'est ça que ça veut dire le corps. Le corps ici, ça veut dire le volume, c'est synonyme de volume ici. C'est corps au sens large du terme. Et le corps, c'est ce qui est composé. D'accord? Composé de parties, c'est ça le corps. Et donc pour le volume, c'est ce qu'est une largeur, une hauteur, une profondeur. Largeur, hauteur, profondeur. Et donc Al-Ghazali disait, bah, le problème de ces gens-là qui croient que Dieu est un corps, c'est qu'en fait, comme ils croient que Dieu est un corps, donc du coup, leur raison, c'est pour ça qu'on dit l'argument rationnel, c'est-à-dire celui qui a une raison saine, mais celui qui est malade dans sa raison, qui n'arrive pas à raisonner, c'est pas lui la référence, c'est moi. En fait, eux, ils sont tellement bloqués sur le fait que Dieu est un corps, donc du coup, leur raison, elle n'accepte pas que Dieu existe sans être dans une place, sans être dans une direction, sans avoir une apparence. Parce qu'eux, ils sont toujours en train de comparer Dieu à sa création. دائما المجسمة يقيسون الخالق على المخلوق لأنهم يعتقدون أن الله تعالى جسم وهم المجسمة المشبهة فلا لا يقبلون موجودا بلا جهة ولا مكان ولا زمان لأنهم يقيسون الخالق على المخلوق المخلوق نعم يستحيل وجوده في غير جهة في غير مكان إما يكون فوق أو تحت أو داخل أو خارجا أما الله تعالى ليس جسما فلا يتصف بصفات الأجسام لا يلزمه لوازم الجسمية لكن من يعتقد أن الله جسم فلا يخرج عن هذا لا يستطيع أن يقبل موجودا يعني ذاتا موجودا بلا جهة بلا مكان بلا تحيز في قطر من الأقطار ف عقولهم ضعيفة يعني لو مشكلة في الفهم هؤلاء et ça le problème des wahhabites parce que tu veux dire mais tu dis que Dieu il est ni dedans ni dehors ni au-dessus du monde ni dans le monde qu'il existe sans comment sans endroit bah t'es en train de dire que Dieu n'existe pas ils sont toujours en fait en train de comparer Dieu à la créature une créature tu dis qu'elle n'est pas dans le monde ni à l'extérieur du monde ça veut dire qu'elle n'existe pas une créature tu dis qu'elle existe sans endroit ça veut dire qu'elle n'existe pas. Une créature, tu dis qu'elle n'est pas dans le temps, qu'elle n'est pas dans une direction, qu'elle n'a pas de forme, qu'elle n'a pas de couleur, qu'elle est ni en mouvement ni en immobilité, qu'elle n'a pas de hauteur, de largeur, de profondeur, etc. Et tu parles d'un être, ben, c'est-à-dire que cet être-là n'existe pas. Parce que c'est une créature, la créature est forcément dans un endroit. Mais Dieu, lui, c'est quoi? Mais Allah Ta'ala, c'est justement le créateur, il ne ressent pas ce qu'il a créé. Donc le fait de dire que Dieu existe sans commencement, sans endroit, sans direction, etc., bah, c'est le fait de confirmer justement que Dieu, évidemment, n'existe donc pas comme les créatures, parce que la créature, c'est impossible qu'elle existe sans comment, sans endroit, etc. C'est ça qu'on appelle le tanzih, c'est ça le tawhid, c'est ça, on dit que Dieu il est wahidun, Dieu il est unique, c'est-à-dire Dieu n'a aucun ressemblant, c'est ça le cœur même de l'islam. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a pas compris c'est quoi l'islam.
Parce que si Dieu était quelque part, eh ben, il aurait des semblables indénombrables. Si Dieu avait une hauteur et une largeur et une profondeur, il aurait des semblables indénombrables. Et Dieu, il a dit, Laisa kamithlihi shay. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule chose existante qui est comme Dieu. C'est ça que ça veut dire. De quelque manière que ce soit, Dieu ne ressemble à rien de ce qu'il a créé. La yushbihu shay'an makhluqatihi, makhluqatihi bi ayyi wajhin min al-wujuh. Hazil aya, aslahu ayatin fil Qur'an, tufid al-tanzi al-kulli. Ça, c'est la ayah la plus explicite dans le Coran que Dieu ne ressemble pas à ce qu'il a créé, comme on l'a vu dans le livre auparavant. Il n'y a pas une ayah plus forte que celle-ci. Et celle qui vient après, c'est وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. Toute chose pour Dieu a des dimensions et une quantité. Et donc ça prouve bien que Dieu n'a pas de dimension et pas de quantité. Ça, c'est dans le Coran. Pas le discours des philosophes, c'est dans le Coran, ça. C'est clair, tout le monde, ça? Ça que ça veut dire que c'est impossible que les contraires se rassemblent. L'ajtama'a at-tasawi wa ar-rujhanu wa dha muhalun wa huduthu al-'alami min hadath al-aradi ma'a talazumi. Et donc ça c'est impossible que les deux contraires se rassemblent. Et après il a dit et la preuve que les créatures sont créées, on dit al-'alam, c'est-à-dire l'ensemble de la création, toutes les créatures. Que ce soit des pensées, des imaginations, des couleurs, des formes, des volumes, des astres, des étoiles, des animaux, les nuages, les grains de sable, les feuilles, tout ce qui existe, ça c'est la définition du monde. C'est quoi le monde? El-Alam. C'est tout ce qui existe hors Dieu. D'accord? C'est tout ce qui existe hors Dieu. Puis tout à l'heure, il y a une mouche qui vole là. Je me rappelle une fois, j'étais en cours dans les pays du Cham. Il paraît que tu avais une mouche qui n'arrêtait pas de tourner autour du professeur. Et les professeurs, ils nous disaient, Subhanallah, des fois j'ai l'impression que certains shayatin, ils prennent l'apparence d'un insecte juste pour perturber le cours, tu vois. Dieu nous éprouve par ce qu'il veut. T'as compris c'est quoi la créature? Que ce soit un grain de poussière, ou le trône, quelque chose qui est tout petit, ou très très grand, les anges, créature, ça ne veut pas dire que les animaux, que les djinns, les humains et les anges. Ta chaussette, c'est une créature, ton téléphone, c'est une créature, le gâteau, c'est une créature, la couleur, c'est une créature, le vent, c'est une créature, tes pensées sont une créature, ta volonté, c'est une créature, ta vision est une créature, ta science est une créature, ta parole est une créature, ton ouïe est une créature, tes doutes sont une créature, tes pensées sont une créature, tes rêves sont une créature, ton sommeil est une créature, ta somnolence est une créature, ton mouvement est une créature, ton immobilité est une créature. Ta maladie est une créature, ta guérison est une créature, ta fatigue est une créature, ta santé est une créature, ta vie est une créature, ta mort est une créature, la terre est une créature, les molécules sont une créature, tout ce qui existe hormis Dieu. C'est quoi la définition du monde? Al-alam kullu ma siwa Allah. Le monde, c'est tout ce qui est autre que Dieu. On va pas faire toute la liste. Tout ce qui est hormis Dieu, c'est créé. Bon, tout ce que tu vois, c'est créé. Et tout ce que tu vois dans ce bas monde, c'est créé. Les nuages, les faisceaux lumineux, ce que tu veux, tout ce qui est autre que Dieu, c'est une créature. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils vont te dire, mais alors la couleur de mon salon, c'est une créature. Mais tout ce qui est hormis Dieu est créé. Si quelqu'un doute de ça, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Si quelqu'un il croit que la couleur de son salon, c'est pas créé par Dieu, ou que ses pensées ne sont pas créées par Dieu, ou que sa volonté n'est pas créée par Dieu, ou que ses biens ou le mal n'est pas créé par Dieu, ou que son tapis n'est pas créé par Dieu, ou que son téléphone n'est pas créé par Dieu, ou que Internet, c'est pas créé par Dieu, ou que je sais pas moi, son rêve n'est pas créé par Dieu. Ces gens-là ne sont pas musulmans. Parce que ça revient à dire qu'il y aura un créateur autre que Allah. Tout ce qui existe hormis Dieu est créé par Dieu. Je le répète à chaque fois, mais. C'est clair, mon tout le monde? Tu vois, du coup, la mouche a disparu. C'est ça qu'on dit, Al-Alam. Al-Alam, c'est l'ensemble de toute la création. Et c'est quoi la preuve que Al-Alam il est créé? Eh bien, d'où vient l'entrée en existence du monde? D'où on sait que le monde est entré en existence? Eh bien, parce que ses caractéristiques sont entrées en existence. Talazumi aussi, unatalazum, ça veut dire quoi? Yani mazayalzam. Hoduf, sifatil fil wujud, yalzamu duhul fil wujud. Hoduf, sifatil sifatil makhluqat, kal harakat, wal sukun, wal buruda, wal yubusa. والحرارة والألوان وال يعني هذه يقال الأعراض نحو 40 عرضا هي ما لا يدوم زمانين يعني ما هو الصفات التي يطرأ على الجسم حركة والسكون تغير يعني
نحو المرينة صفة لأن حادثة دلت على حدوث صاحبها. Ça, c'est une règle super importante. Il y a environ 40 caractéristiques pour les corps. Une quarantaine qu'on appelle l'arad. L'arad, ça veut dire les choses éphémères. C'est le pluriel de arad. Arad, les savants, ils disent que c'est ce qui ne dure pas deux temps à la suite. C'est-à-dire, c'est les attributs éphémères. Toi, par exemple, tu es un être humain. C'est bon? Ton corps, il est, comment dire? Ton être, il est stable. Durant toute ta vie, tu auras ton corps avec toi, c'est bon? Mais après, le fait que tu sois en mouvement, immobile, le fait que tu sois chaud, froid, humide, sec, ça, c'est des caractéristiques des corps qui sont éphémères. Ça ne dure qu'un certain temps, t'as compris? Donc chaque corps, c'est un volume, mais après, il a des caractéristiques, sa couleur. Et donc, ces caractéristiques, elles changent, même ta couleur. Même nous qui sommes blancs, blancs ou les gens qui sont noirs, leur couleur, elle change. Un Africain en hiver, il est moins foncé qu'en été. Quand c'est plein été, des fois, toi, t'es marron foncé. Quand tu es en hiver, tu deviens marron plus clair. Un Français, par exemple, il va être blanc pâle peut-être en hiver, et puis en plein été, il va soit devenir tout rouge, soit devenir plus bronzé. Donc même nous, notre corps qui a une couleur définie à la base par Allah Azza wa Jal, notre couleur, elle change. Et en fonction que si ton corps est éclairé ou pas éclairé, elle va changer. Si ton corps est éclairé par une lumière rouge, il va devenir rouge. Si il est éclairé par une lumière verte, il va devenir vert, etc. etc. Donc même notre couleur, c'est des caractéristiques éphémères. Ta science, t'apprends, t'oublies. Donc en fait, tous les corps, ils ont des caractéristiques éphémères qui sont environ 40 caractéristiques. Le mouvement, l'immobilité, la couleur, la température, est-ce qu'il est sec, est-ce qu'il est humide, etc. C'est bon? Et ça, en arabe, on appelle ça l'arad. C'est-à-dire les caractéristiques des corps. Et toutes les créatures, tout le monde dans son ensemble, c'est soit des corps, soit des caractéristiques des corps. Kul al-alam bi jumlatihi la yakhlu min hadhain al-qismayn. Imma huwa jismun, imma huwa sifatun al-jism. Jismun wa arad. Hadha huwa al-alam. Tout le monde entier, toute la création, l'ensemble de la création de Allah Azza wa Jal est constitué uniquement de deux catégories. C'est les corps et les caractéristiques des corps. Les ajsam, les jism et les arad. Les arad. T'as compris? Et donc Dieu n'est ni un corps ni un des arod. Ça, c'est les caractéristiques des créatures. La créature se définit par un corps ou par une caractéristique des corps. Nous sommes des corps avec des caractéristiques immobiles, en mouvement. Les étoiles, elles bougent tout le temps. Les cieux et la terre sont toujours immobiles. L'être humain, tantôt il est mobile, tantôt il bouge. Les anges, tantôt ils sont immobiles, tantôt ils bougent. Les djinns, tantôt ils sont immobiles, tantôt ils bougent. Dieu, il y a certains groupes de créatures qu'il a fait qui sont toujours immobiles, comme les cieux et la terre. Et il a fait que certaines créatures sont toujours en mouvement, comme les étoiles. Les étoiles, elles tournent tout le temps, comme ça. Fi falakin yasbahun, Dieu l'a dit. Fi falakulun fi kulun fi falakin yasbahun. Que chacun des astres, il a un orbite spécifique dans lequel il progresse. Donc ça, ce sont des créatures, et on dit les corps célestes, ce sont des créatures qui bougent tout le temps. Tu as des créatures qui sont toujours immobiles. Et il y a des créatures qui des fois sont immobiles, des fois sont pas immobiles. Les animaux, les anges, les humains, des fois ils bougent, des fois ils bougent pas. C'est ça les caractéristiques des corps. Donc Dieu n'est pas un corps et il n'a pas les caractéristiques des corps. Donc on ne dit pas Dieu il bouge, on ne dit pas Dieu il est immobile, on ne dit pas Dieu il a une couleur, etc. Parce que ça, c'est ce qui définit la créature. Ce qu'on appelle le comment, le kaif, d'accord? Comme on a vu dans le cours dernier. Et on ne dit pas kaif pour celui qui a créé le kaif. Man kaif al kaif, ala kaif alahu, comme il a dit l'imam Ali ibn Abi Talib. Celui qui a créé le comment, il n'a pas de comment. C'est une caractéristique des créatures. Donc comment on sait que le monde il est créé? Ces caractéristiques-là éphémères, comme quoi? On a dit la couleur, le mouvement, l'immobilité. Est-ce qu'ils ont un début? Est-ce que ton mouvement a un début? Oui. Donc ils sont contingents, ils ont une contingence. Avant, ils n'étaient pas et après, ils ont eu lieu. Ce qu'on appelle la contingence. C'est bon? Eh bien, si tes caractéristiques à toi sont contingentes, c'est-à-dire que si ta couleur, elle change, si ta volonté elle a un début, si ta science elle a un début, si ta couleur elle a un début, si ta froideur elle a un début, si ta chaleur elle a un début, si ta maladie elle a un début, si ta guérison elle a un début, bah forcément toi-même tu as un début. Donc en fait ils disent Maratala Zumi, comme il a dit Ibn Rashir, ça veut dire que ça implique ça. C'est-à-dire le fait que tes caractéristiques, que tes arod aient un début, ça implique que toi-même tu as un début. C'est indissociable les deux. C'est-à-dire que le fait d'avoir des attributs qui entrent en existence implique l'entrée en existence du être qui a ces attributs-là. Ce qu'on appelle le talazum.
C'est min lawazim, c'est parmi les choses qui sont lazim au corps. C'est bon? Tout le monde sait de lui-même que c'est karaté qu'elle change. Des fois, tu es heureux, après, tu n'es pas content, tu es triste, après, tu es heureux, tu es fatigué, après, tu es en forme. Une fois, tu as froid, une fois, tu as chaud. Et t'es karaté, une fois, tu es immobile, une fois, tu bouges. Toi-même, tu vois de toi-même que tu changes. Et donc, si tes karatés changent, c'est que toi-même aussi, tu changes. Et donc, tes karatés changent, ça veut dire qu'elles étaient dans un état, après, un autre état qui entre en existence, après, un autre état entre en existence. Elle intercale min hal ila hal, elle intercale laoul khudouf. يعني دخل في الوجود حال عندك ثم دخلت حال أخرى ثم حال أخرى ثم لون آخر ثم صفة أخرى مثلا كنت في الحركة ثم سكنت فدخل في ذاتك في الوجود دخلت السكون في الوجود ثم دخلت الحركة دخلت اليبوس في الوجود دخلت الرطوبة في الوجود. الآن أنت جاف إذا أمطر عليك حدث في نفسك الرطوبة دخل في الوجود. Là, tu es sec, s'il pleut sur toi, tu vas devenir humide. Donc, l'humidité va rentrer en existence te concernant. Donc, ton état, il change d'un état à un autre. Donc, le changement, ça veut dire qu'il y a un état que Dieu anéantit et il crée un nouvel état. Donc, chaque changement est un nouvel état qui entre en existence. Donc, le changement implique l'entrée en existence. C'est des nouvelles caractéristiques qui entrent en existence. Donc, si tes nouvelles caractéristiques entrent en existence, c'est-à-dire que toi-même, tu es entré en existence. C'est-à-dire le hodouf de tes caractéristiques implique le hodouf de ton être. Hodouf, c'est la contingence. Là, tu as vu, c'est technique un peu, mais c'est comme je disais, la contingence de tes caractéristiques implique la contingence de ton être. Et c'est indissociable les deux. Donc, si quelqu'un il prétend que Dieu aurait des attributs qui sont contingents, ça voudrait dire qu'il aura attribué à Allah la contingence. Je ne vais pas dire Dieu n'est pas contingent, mais ses attributs sont contingents. C'est impossible. C'est ça qu'on dit que la volonté de Dieu ne change pas. Parce que si Dieu changeait sa volonté, comme on dit Al-Bada en arabe, dire qu'il voulait une chose, après il lui a paru que c'était mieux de faire ça, il change sa volonté. C'est impossible selon la raison. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il y avait une première volonté qui était entrée en existence pour Dieu, pour son être. Après, cette volonté-là a été anéantie, une nouvelle volonté est entrée en existence. C'est-à-dire que qui c'est qui a anéanti et qui va entrer en existence? C'est Allah. Ça voudrait dire que Dieu serait soumis à la création, qu'il y aurait des volontés qui se créeraient en lui. Et donc si quelqu'un a des volontés qui sont créées, c'est-à-dire que lui-même il les crée. Si la volonté de Allah serait contingente par le fait qu'elle changerait, ça voudrait dire que Dieu lui-même changerait, donc il serait contingent. Et ça, Ibn Taymiyyah, c'est parmi les égarements dans lesquels il est tombé. Parce qu'il a dit que Dieu il change sa volonté. Et les wahhabites, c'est leur croyance aussi. C'est ça que tout à l'heure quand j'ai dit, oui, Ibn Taymiyyah, c'était pas un wahhabite, mais la croyance des wahhabites existait avant. Les Wahhabites n'ont fait que recycler un truc qui existait déjà avant. Donc qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour perturber les gens? Ils disent, mais non, c'est faux. Est-ce que Ibn Taymiyyah c'était un Wahhabite? En fait, il va faire comprendre aux gens en disant que leur croyance, elle existait depuis l'époque du Salaf. Ils veulent faire croire que les Wahhabites, ce n'est pas une secte et qu'en réalité, il y a plein de savants voir les Wahhabites qui avaient la même croyance que les Wahhabites et ce n'était pas des Wahhabites. Bah, c'était des égarés comme les Wahhabites, même s'ils ne s'appelaient pas Wahhabites. Ibn Taymiyyah, à son époque, ils l'ont déclaré mécréant, les savants de son époque. On parle des savants contemporains. As-Subki, il a écrit 3 livres contre Ibn Taymiyyah. As-Subki, il connaissait Ibn Taymiyyah, il était dans la même ville que lui. C'est dans le même pays que lui. Les deux étaient en Syrie à la même époque. Abu Hayyan al-Andalusi, il a même assisté au cours de Ibn Taymiyyah. Il l'a déclaré mécréant à Ibn Taymiyyah. Abu Hayyan, il a déclaré mécréant à Ibn Taymiyyah. Quand il a vu qu'Ibn Taymiyyah, il a dit que Dieu est assis sur Al-Kursi. Et As-Subki, il avait parmi ses élèves As-Safadi. As-Safadi, il était à la fois l'élève d'As-Subki et à la fois l'élève d'Ibn Taymiyyah. As-Safadi, parce que Ibn Taymiyyah, il ne disait pas ses égarements dans la croyance à tout le monde. Il était très fort dans le hadith, c'était un hafiz. Donc il faisait des assemblées de sciences dans la science du hadith. Et donc tu as même des savants musulmans comme As-Safadi, enfin comme Abu, comme pas As-Safadi, mais comme. Tu avais des gens qui avaient la bonne croyance, qui assistaient au cours de Ibn Taymiyyah parce qu'ils ne savaient pas les mécréances de Ibn Taymiyyah. Ils prenaient dans le hadith avec lui. Ibn Taymiyyah ne leur disait pas les mécréances dans la croyance. Mais après, ils ont su qu'il disait des égarements dans la croyance. Mais ça, il ne le disait que à ses élèves qui étaient proches. Il ne le diffusait pas au grand jour. C'est les Wahhabites qu'on diffusait après Ibn Taymiyyah dans des garments dans la croyance. Mais à son époque, c'est pas tout le monde qui connaissait les garments Ibn Taymiyyah dans la croyance. Donc certains l'appelaient le cheikh de l'islam parce qu'il était très fort dans le hadith. Al-Zahabi disait qu'Anna sunnata nusba'aynayhi. C'est comme si la sunna est devant lui, comme si tous les hadiths sont devant lui, tellement il a une grande mémoire. Mais après, les savants ils ont dit que ilmuhu kana akbaru min aqlihi, que sa science était plus grande que sa raison. À dire qu'il avait beaucoup de science, mais il ne comprenait pas ce qu'il mémorisait.
Et donc après, bah, les savants, quand ils ont vu après qu'en fait il était un gros égaré dans la croyance, et ben du coup ils l'ont après ils l'ont conseillé, ils sont retournés contre lui quoi. Et Subki, Safadi, il a écrit un livre qui s'appelle Ariane al-Rasar ou Arwan al-Nasar. Ça veut dire les personnalités du temps et les gens qui aident la victoire de l'islam. Donc il a cité des biographies de plein de grands savants. Et parmi les grands savants qu'il a cités à son époque, dans son livre de biographie, qui est encore existant aujourd'hui, je l'ai lu moi-même, une partie, il cite la biographie de Subki. Et dans la biographie de Subki, il cite les vers de poésie de Al-Dhahabi, qui était élève de Taymiyyah, dans lequel il a dit « Liyan al-mimbarul umawi lamma alahu al-alimul bahru taqiyu shuyukh al-asri ahfadhuhum jami'an wa akhtabuhum aghdahum aliyu. » C'est-à-dire que l'estrade des Omiyades, la chaire de la mosquée, là où tu fais le discours, parce que Soubki c'était l'imam de la mosquée des Omiyades, celui qui fait le discours de Jumu'ah, était très fort dans le Qadha, c'est-à-dire dans les jugements religieux, il était juge aussi. Et donc Al-Dhahabi, tellement il aimait à Soubki, il a dit mais que l'estrade des Omiyades soit heureux d'être surmonté par ce grand savant-là. Taqi, ou on l'appelait Taqiyuddin Soubki, mais son nom c'est Abdul Kaf. Ali, fils de Abdul Kaf, Soubki. Et il a dit, les savants de mon époque, je les connais tous, et le meilleur parmi eux, le plus fort dans le discours sur l'estrade et dans les jugements religieux, c'est Ali, ou Nir Ali, ou Abdul Kaf As-Subki. Et ça a été. Et lui, Al-Dhahabi, c'était élève de Taïmir. Mais en même temps, c'était aussi. Il a cité au cours d'As-Subki, sauf qu'Al-Dhahabi, lui, il avait la croix de Taïmir aussi, le Tajsim. Mais malgré ça, il était contre Ibn Taymiyyah à la fin de sa vie. Parce qu'après, il s'est mis à lire dans les livres des philosophes, et As-Subki, Al-Dhahabi, il a dit, mais toi, tu t'égares en lisant dans les livres des philosophes. Et As-Safadi, c'est quelqu'un qui avait aussi appris des choses avec Ibn Taymiyyah, mais qui aussi a cité au cours d'As-Subki, et c'est lui qui a rapporté la parole de Al-Dhahabi. Et Al-Dhahabi, son livre, il est ici, qui a été publié par la Bibliothèque de l'Azhar. Il est trop haut, mais tout à l'heure je l'ai pris. Ah, bref, et dedans il y a de la soupki aussi contre Al-Dhahabi. J'ai déjà montré dans certains cours. Et donc, bah, à son époque, les savants, plusieurs savants l'ont déclaré égaré Ibn Taymiyyah. Au point que certains savants, ils ont dit celui qui nomme Ibn Taymiyyah chair de l'islam, il n'est pas musulman. S'il connaît l'état d'Ibn Taymiyyah et malgré ça il dit qu'il est chair de l'islam, bah, il sort de l'islam cette personne-là. Comment il va dire chair de l'islam? Parce qu'ils avaient pensé le bien sur Ibn Taymiyyah quand ils ont vu sa science dans le hadith, mais quand ils ont vu après ses paroles dans la croyance, ils ont changé d'avis après. Ils ont dit, mais en fait, c'est un gros égaré. C'est vrai que Mohammed al-Qalaoun, qui était le sultan des musulmans à son époque, il a réuni les chefs des juges des quatre écoles de jurisprudence pour qu'ils donnent une sentence. Tous unanimes, ils ont dit, il faut qu'il reste en prison, Ibn Taymiyyah. Et après, ils l'ont renvoyé à Damas, elle a été enfermée dans le Qalra à Damas, la grande forteresse en pierre là. Je crois que Daesh, ils l'ont détruite. Et il est mort emprisonné, il n'a même pas été enterré dans un grand savant, etc. Alors que c'était un égaré, il n'était pas wahhabite, il était avant les wahhabites. Mais il avait la même croyance que les wahhabites. Et Mohammed al-Qalaoun, il a fait propager un écrit à lire sur les minbars en Égypte et en Syrie, dans les mosquées. Ils ont mis en garde publiquement Ibn Taymiyyah dans toutes les mosquées, en disant toute personne qui suit l'enseignement Ibn Taymiyyah, il sera démis de ses fonctions d'imam dans les mosquées et d'enseignement de la religion. Et il sera écarté des gens. Et ils ont mis en garde publiquement contre Ibn Taymiyyah en Égypte, en Syrie, dans les mosquées. Il avait fait un écrit, et du coup, les imams, ils lisaient l'écrit dans la mosquée. Ibn Taymiyyah est un égaré, toute personne qui le suit, qui prend de ses enseignements, il sera démis de ses fonctions religieuses, etc. Et les wahhabites, pour se dépatouiller, disent non, mais ils étaient jaloux de lui, donc c'était une querelle entre savants, pas du tout. C'est-à-dire, quelle querelle? Même le juge Hanbalite, le chef des juges Hanbalite, donc le chef des Qudat Hanbalite, il a jugé qu'Ibn Taymiyyah, il faut le laisser en prison, jusqu'à sa mort. Tu vas dire, mais s'il était apostat, il l'aurait exécuté à cette époque-là. Oui, mais Ibn Taymiyyah, à chaque fois, il reprononçait l'attestation deux fois devant les juges pour faire croire aux gens qu'il est retourné sur l'islam. Et donc, un juge musulman, si un apostat reprononce l'attestation deux fois, ben, selon l'apparence, il est revenu sur l'islam. Et Ibn Taymiyyah, il reconnaissait qu'il avait dit de la mécrance, et du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Eh ben, il témoignait devant les juges, mais en fait, il retournait après dans sa mécrance. Il faisait juste semblant de témoigner,
Donc à la fin, ils ont compris que même s'il témoigne, à chaque fois, il retourne dans ses égarements. Donc ils ont dit, même s'il témoigne et qu'il nous fait, il fait mine de revenir sur la croix de Rasul al-Jamara, on le laisse quand même en prison. Pour pas prendre le risque qu'il retourne dans ses égarements et qu'il égare à nouveau les gens. C'est pour ça qu'il est emprisonné jusqu'à sa mort. Et il est mort en prison, il n'est pas enterré jusqu'à aujourd'hui dans le cimetière. Bon, à Damas, il n'est pas enterré dans le cimetière de Damas. Hein. Donc c'est pas que nous aujourd'hui qui le déclarons égaré. À son époque, beaucoup de savants ont dit que c'était un muhaddis kafir. C'est-à-dire c'est un savant du hadith, mais dans la croyance, c'est pas un musulman. Mais les Wahhabites, eux, ils ont remis au goût du jour ces livres qui avaient été délaissés depuis des siècles. Hein. Depuis 700 ans, on a entendu parler d'Ibn Taymiyyah. Il y a 300 ans, ou il y a 200 ans, les Wahhabites, quand ils ont redécouvert l'Ibn Taymiyyah, ils étaient contents de retrouver la même croyance que eux dans ces livres, et ils l'ont remis au goût du jour. Ils se sont mis à réimprimer ces livres, alors que beaucoup de ces livres n'avaient jamais été édités, en plus, un certain livre. Bayan Talbis al-Jahmiya, Ibn Taymiyyah, ce livre-là, n'avait jamais été édité avant. C'est les Saoudiens qui l'ont imprimé il y a 10 ans. Il n'avait jamais été imprimé avant ce livre. Le livre dans lequel il dit que Dieu est assis sur le trône, pas sur le trône, sur Al-Arsh, on appelle Kitab Al-Arsh, c'est un livre jusqu'à maintenant n'a jamais été édité. C'est un livre manuscrit qui a été écrit de la main de Taymiyyah et qui est conservé à la mosquée, à la bibliothèque de Damas. Et c'est Abu Hanna Andalusi qui a réussi à le lire avec son élève. Ils l'ont emprunté à Taymiyyah, ils l'ont lu. Et donc du coup, après, il a su que Taymiyyah, il a cette croyance-là. Et du coup, après, ben, Abu Hanna Andalusi, dans son tafsir Al-Bahr al-Muhit, eh ben, il a rapporté la parole de Taymiyyah comme quoi il croit que Dieu est encore assis sur le trône, et il a dit, je l'ai lu de mes propres yeux, de l'écriture de Taymiyyah, parce que Abu Hanna Andalusi, il connaissait Taymiyyah, il assistait au cours de Taymiyyah, et c'était un grand savant dans la science de la grammaire, justement, et dans la science du tafsir. Et il a corrigé Taymiyyah sur des erreurs de grammaire, et Taymiyyah, tellement il était prétentieux, il a dit, si bah ouais, il ment. En gros, il a dit, non, mais ce que tu dis, si bah ouais, c'est une grande référence dans la grammaire. Taymiyyah, c'est un savant du hadith qui était très prétentieux, très orgueilleux, et voulait être le plus grand savant de son époque, et ça l'a mené à l'égarement. Parce qu'il se mettait à rabaisser d'autres savants, à se moquer d'autres savants, et à la fin, quand il a vu qu'il n'arrivait pas à être le plus grand savant avec la science de Rasul al-Jamara, eh ben, il s'est mis à lire dans les livres des juifs, dans les livres de philosophie, et il s'est mis à dire des paroles que personne n'a dites avant lui dans la croyance. Et il a inventé un nouvel islam en fait, il a inventé une nouvelle religion pour se démarquer des autres savants, pour faire croire aux gens qu'il connaît des avis que personne ne connaît, qu'il a de la science que personne n'a. Et Al-Dhahabi l'a fortement critiqué sur ça. Et il a dit In salima imanuka bi shahadatayn fa anta sa'id, dans son livre qui est publié par l'Azhar et d'autres, Bayan Zirar al-Ilmi wa Talabi, la lettre qu'il a écrite à Ibn Taymiyyah, Risala al-Dhahabiyya, la lettre de Al-Dhahabi qu'il a écrite contre Ibn Taymiyyah, dans laquelle il lui demande de faire le repentir, que maintenant il a 70 ans, qu'il va bientôt mourir, et il a dit, si ta foi, elle est sauvée par ta prononciation de l'attestation de foi, alors tu seras heureux. Ça veut dire, prononce les témoignages avant de mourir, sinon tu vas mourir sur l'égarement. Et Al-Dhahabi disait que Taymiyyah, avant qu'il lise dans les livres des philosophes, il avait un visage lumineux. Et quand il s'est mis à lire dans les livres des philosophes, bah, son visage s'est assombri. C'est comme s'il s'est éclipsé, quoi. Et il s'est égaré. Et Al-Dhahabi lui-même, après, il s'est retourné contre Taymiyyah à la fin de sa vie. Parce qu'il était égaré. Donc c'est pas une nouveauté. Mais aujourd'hui, les gens, ah, mais comment ça, vous parlez sur le cheikh de l'islam, sur le Taymiyyah, vous êtes des égarés, vous insultez ce grand savant. Qui a dit que c'était un grand savant? Les gens, quand ils ont su sa réalité, ils se sont retournés contre lui après. Et c'est les gens de son époque, c'est pas nous. C'est les gens de son époque. As-Subki, il a écrit trois livres contre le Taymiyyah. Et il a dit que le Taymiyyah, Jamara Bayna dans la Latine, Lamia, égarement qu'aucun savant n'avait jamais réuni avant. Il a dit que le monde n'a pas de début, que le genre du monde n'a pas de début et que Dieu, il a un début. Parce qu'il a dit que la parole de Dieu change et que la volonté de Dieu change. Donc il a attribué la contingence à Allah. Il a dit que le genre du monde n'a pas de début. Donc il a attribué la, comme ils disent, la prééternité, la non-contingence au monde. Donc c'est comme s'il a inversé les choses. Il a prétendu que le monde n'a pas de début, donc que le monde est Dieu et que Dieu a un début, donc le monde, donc Dieu serait créé, soi-disant. A'udhu. Et ça, c'est impossible selon la raison. Pourquoi? Parce que la contingence de l'attribut implique la contingence de l'être qu'a cet attribut-là. Et donc la contingence du monde implique que le monde est créé. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Ibn Rajhir. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment on a su le hudouth du alam, la contingence du monde? Par le fait que les arad sont contingentes, par le fait que les attributs du monde changent, donc le monde. Regarde tout le monde.
Donc El Mayara, dans l'explication de Rachir, l'a dit, « Wa khuduth al-alami ila akhirihi, lama qarara fi burhan al-wujud khuduth al-alam wa sallamahu jadaliyan, istadraka huna burhan thalika wa huwa mulazamatuhu lil-arad al-haditha, fa inna ajram al-alam yastahilu infikakuha an al-arad kal-harakati wa sukun. » Là, j'ai dialogué, mais tout ce qu'il a dit, El Mayara, c'est la même chose que moi. Il a dit donc l'explication de la parole et la contingence du monde jusqu'à la fin. Il a dit, étant donné qu'il est confirmé, lorsqu'il a confirmé l'argument rationnel de l'existence du monde, eh ben, il a après rattrapé cela en disant, c'est quoi la preuve de l'existence que le monde est contingent? C'est bon? Et donc il a dit, cela est su de l'implication du fait que les caractéristiques du monde sont contingentes. C'est-à-dire que les caractéristiques du monde ont un début, donc ça implique que le monde lui-même a un début. C'est bon? Il a dit, en effet, les corps dans le monde, les volumes qui sont dans le monde, c'est impossible qu'ils soient dissociés des caractéristiques qui le définissent, comme le mouvement et l'immobilité. Un corps, tu ne peux pas le dissocier du mouvement et l'immobilité. Il est soit en mouvement, soit immobile. Et il a dit, et ces caractéristiques-là, ces arôles-là, elles sont contingentes, elles ont un début. Comment on a su qu'elles ont un début? وهذه الأعراض حديثة بدليل مشاهدة تغيرها من عدم إلى الوجود. Comment on a su qu'elles ont un début? Parce qu'on est tout à fait témoin que ces caractéristiques-là, elles changent du néant à l'existence. Elles n'étaient pas et après elles sont rentrées en existence. ومن وجود إلى عدم. Et qu'elles étaient existantes et puis après elles disparaissent. Donc c'est un changement ça. Donc forcément le changement implique le fait qu'elles soient créées. وإذا ثبت حدوث الأعراض واستحالة وجودها في الأزل لازم حدوث الأجرام واستحالة وجودها في الأزل قطعا. Et donc il a dit, étant donné qu'il est confirmé que les caractéristiques des corps sont entrées en existence et que c'est impossible qu'elles existent de toute éternité, alors cela implique que également les corps qui ont ces caractéristiques-là soit entré en existence et que c'est impossible que ces corps-là existent également de toute éternité. Pourquoi, et le qatran de manière catégorique, l'istihalatin fika qu'il ajra man il arad. Pourquoi ceci implique cela? Parce que le corps et le volume, c'est impossible qu'ils soient dissociés de ces caractéristiques. Et comme ces caractéristiques sont créées et que le corps est indissociablement lié à ces caractéristiques, bah ça implique que le corps est lui-même créé. T'as compris le raisonnement rationnel? C'est magnifique hein, comment il parle là. C'est exactement ce qu'on a dit, mais sauf que c'est les mots de Al-Mayyara. Et après, pourquoi ceci est comme cela? Il a dit « Idh huduthu ahadil mutalazimain yastalzimu huduth al-akhar daruratan » Parce que, tout à l'heure on parlait de l'azim, c'est bon? Qu'est-ce qu'on a dit? Le corps, il a forcément des caractéristiques, c'est bon? Le corps est indissociable de ses caractéristiques. Donc si ces caractéristiques-là sont créées, le corps est de lui-même créé, c'est bon? Et pourquoi cela? Il a dit parce que l'entrée en existence de l'une des choses qui est indissociable de l'autre, implique aussi l'entrée en existence de l'autre chose qui est indissociable de lui. Si tu as deux choses qui sont indissociables, si l'une des deux elle est contingente, ben comme elles les deux sont indissociables, forcément la deuxième sera aussi contingente. Tu as compris? Donc c'est ça qu'on appelle l'azim ici. C'est beau, hein, mais t'as vu, c'est rationnel. Hein. Et après, elle a dit « وَأَسْقَطَ النَّظِ مُدَلِيلَ حُدُوثِ الْأَعْرَضِ لِوُضُوحِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ » Après, il a dit, le Narvim, ça veut dire celui qui a composé la poésie. Si tu regardes la poésie, il a parlé de quoi? Wada Mohal, le fait que le Tasawi et le Jaran soient rassemblés, c'est impossible. Après, il a dit, Wahoduth, Ulraal, Amimin, Hadathil, Arad, Imarat, Alazumi. Et la contingence du monde, l'entrée en existence du monde, vient du fait que ces caractéristiques sont contingentes. Et comme, sont contingentes. Et comme les deux sont indissociables, donc forcément, le monde est créé. Mais tu n'as pas vu, il n'a pas cité la preuve que les caractéristiques du monde sont entrés en existence. Je dis, le monde est entré en existence car ses caractéristiques sont entrées en existence. Donc là, on a la preuve que le monde est entré en existence. Mais il n'a pas cité la preuve que les caractéristiques du monde sont entrées aussi en existence. C'est quoi leur preuve? C'est qu'elles changent. Mais il a dit, mais comme c'est évident qu'elles sont entrées en existence, alors l'auteur Ibn Rushd ne l'a pas mentionné dans son vers de poésie. Mais en réalité, il y a aussi une preuve qui prouve que les caractéristiques elles-mêmes sont entrées en existence. Dans le livre d'Ibn Rushd, il a cité juste la preuve que le monde est entré en existence. C'est quoi la preuve que le monde est en train d'existence? C'est quoi la preuve que le monde est contingent? C'est que ses caractéristiques sont contingentes. Mais après, c'est quoi la preuve que ses caractéristiques sont contingentes? C'est qu'elles changent. Mais ça, il ne l'a pas cité dans le vers de poésie parce que c'est évident. Il s'est arrêté juste
à la preuve de l'existence du monde, de l'entrée en existence du monde. Et le monde est créé, mais il n'a pas cité la preuve que les caractéristiques du monde sont créées. Mais comme c'est évident, il ne l'a pas cité. Et c'est quoi la preuve que les caractéristiques du monde sont créées donc? Ben, c'est le meilleur lot qu'il a cité, c'est qu'elle change du néant à l'existence et de l'existence au néant. T'as compris? C'est que tantôt elles sont là et tantôt elles ne sont pas là. C'est ça qu'on appelle ça arad, c'est-à-dire les choses éphémères. Arad en arabe, ça veut dire éphémère. C'est vrai? Bah, c'est là, après c'est plus là. Tu bouges, après tu ne bouges plus. Donc ton mouvement il est là, après il n'est plus là. Ton immobilité est là, après il n'est plus là. Ce sont des caractéristiques éphémères. Et donc comme elles changent du néant à l'existence et d'une d'existence au néant, bah, ça veut dire qu'elles sont créées. Parce que sinon, ça veut dire qu'elles ont bien besoin de qui a fait prévaloir sur elles son existence plutôt que leur inexistence. Ou leur inexistence plutôt que leur existence. Donc elles ont besoin de qui leur a est créé par celui qui a, les a définis par, ses, par ce besoin-là et par ses caractéristiques plutôt qu'une autre. C'est bon ? فقوله وحدوث العالم مبتدا ومضاف اليه ومن حدث الاعراض خبره اي مستفاد وماخوذ من حدث الاعراض ومع تلازم يتعلق بما يتعلق به الخبر اي حدوث العالم مستفاد من امرين حدوث العرض وملازمته لاجرام العالم. Donc là il a parlé un peu de grammaire, ça on va pas rentrer dans ça parce que tout à l'heure tu étais perdu. De toute façon en français ça n'a pas de sens. Mais après il a dit qu'il a cité deux arguments, deux choses à partir desquelles on déduit l'entrée en existence du monde. Il a dit Mustafa don yamrain. Il y a deux choses par lesquelles on déduit l'entrée en existence du monde, la contingence du monde. Et il a dit la première, c'est quoi? C'est le fait que les caractéristiques du monde sont contingentes. Les caractéristiques du monde, elles ont un début. Et la deuxième chose, c'est que le monde est indissociable de ses caractéristiques. Donc si les caractéristiques du monde, elles ont un début, c'est que le monde, il est créé. Et le fait que le monde est indissociable de ses caractéristiques qui sont créées, ça prouve qu'il est lui-même créé. Deux choses, d'accord? Le fait que ses attributs sont créés et le fait qu'il est indissocié de ses caractéristiques. Deux arguments qui prouvent que le monde, il est créé. Donc le monde, c'est quoi? C'est tout ce qui est hormis Dieu. Ça, c'est la définition, je vais regarder dessus. C'est quoi le monde? Tout ce qui est hormis Dieu. Le monde est composé de quoi? Des corps, des caractéristiques, des corps, c'est bon? وتقرير هذه البراهين على الاصطلاح هو أن تقول في دليل وجود في دليل وجوده تعالى العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث ينتج العالم لابد له ينتج العالم لابد له من محدث وليس هو إلا الله تعالى بدليل الوحدانية. Et là maintenant il va te résumer tout selon l'argument rationnel tout cela. Donc l'énonciation de tout cet argumentaire-là, selon le vocabulaire des savants du Tawhid, c'est qu'on dise, concernant la preuve de l'existence de Allah Ta'ala, on dit, écoute bien, le monde est contingent, donc le monde a un début, donc il est hadith, et tout ce qui est contingent, donc tout ce qui est un début, a besoin de qui lui a donné ce début-là. Et donc, qu'est-ce qu'il en découle de cet argumentaire-là? C'est quoi la résultante de tout cela? C'est que le monde, donc, a nécessairement besoin de qui l'a fait entrer en existence. Et celui qui l'a fait entrer en existence n'est nul autre que Allah Azza wa Jal. T'as compris? Et c'était remarqué dans d'autres cours, on l'a déjà cité cet argument-là. Mais le meilleur, on l'a cité ici. Je répète, le monde a un début. Et là, c'est que le monde a donc besoin de qui lui a donné ce début. Et c'est Allah. Et comme on a su que c'est Allah, bidalil wahdaniya, par preuve de l'unicité de Allah Azza wa Jal. Comme Dieu est unique et le seul créateur, bah par déduction, qui est donc à créer le monde? S'il n'y a qu'un seul créateur et c'est Allah, bah forcément c'est Allah qui a créé le monde et qui a donné un début au monde. C'est clair, mon tout le monde? Donc ça, c'est la preuve résultante, yani l'argumentaire qui résulte de ce qu'on a cité. Watarqul fi dalil hudouth al-alam. Donc là, c'est la preuve quoi? Que Dieu existe et que le monde a été créé par Dieu, c'est bon? Maintenant, la preuve que le monde est entré en existence. Donc là, il reprend tout ce qu'on a cité, c'est bon ? Wa taqul fi dalil hudouth al-alam. Ajram al-alami mulazimatun lil-a'rad al-hadithati. Wa kullu mulazimin lil-a'rad al-hadithati hadithun yantuju ajram al-alam haditha. Donc il a dit, et tu dis, donc qu'est-ce qu'on dit nous, concernant la preuve de l'entrée en existence du monde ? On dit les corps du monde, les volumes qui composent le monde, sont indissociables des attributs des corps qui elles-mêmes sont créés. C'est bon?
tous les volumes du monde sont indissociables des arad créés, des attributs contingents, comme le mouvement, l'immobilité, la place dans un endroit, etc. C'est bon? Donc, il a dit, les volumes qui composent le monde sont indissociables des attributs qui sont contingents. Et tout ce qui est indissociable d'attributs contingents, et tous des caractéristiques qui sont entrées en existence. Je vais formuler la même chose dans une autre manière. Tous les volumes dans le monde sont indissociables, ont nécessairement des attributs qui ont un début. C'est bon ? C'est bon ? Parce que ceci implique cela. L'entrée en existence de tes caractéristiques implique que tu es toi-même entré en existence. La contingence de tes attributs implique la contingence de ton être. Je dis toujours la même chose, mais de manière différente, pour que tout le monde comprenne ce que je dis. Donc ça, c'est quoi la preuve de quoi ? Que le monde est créé. Maintenant, c'est quoi la preuve que les caractéristiques du monde sont créées ? Tu sais, il y a trois choses. وَتَقُولْ فِي دَلِيلِ حُدُوثِ الْأَرَادِ الْأَرَادُ شُوهِدَ تَغَيُّرُهَا مِنْ عَدَمٍ إِلَى وُجُودٍ وَمِنْ وُجُودٍ إِلَى عَدَمٍ وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ حَادِثٌ يَنْتُجُ الْأَرَادُ حَادِثًا. Donc, tout est, c'est ça qu'on dit, la religion de l'islam, c'est la seule religion qui est soutenue par la raison. C'est pas le raisonnement logique, c'est pas la base en islam. Mais c'est un témoin de la véracité de l'islam. C'est bon ? Donc, troisième chose, elle dit, qu'est-ce que tu dis comme argumentaire concernant la preuve de l'entrée en existence de nos caractéristiques, des arod ? Qu'est-ce qu'on dit ? On dit les arod, nos caractéristiques à nous éphémères, d'existence à l'existence et de l'existence à la non-existence. Ton mouvement, il n'existait pas. Là, si je suis immobile, est-ce que mon mouvement existe ? Non. Mon mouvement, il est à l'état de néant, c'est bon ? Quand je bouge, là, le mouvement que j'ai fait, il sort du néant à l'existence, c'est bon ? Si je redeviens immobile à nouveau, là, mon mouvement disparaît, donc il retourne au néant. Donc, les caractéristiques qui tantôt n'existaient pas, puis après sont entrées en existence, ou tantôt elles existaient, puis après elles sont passées à l'inexistence, au néant. Le néant, c'est la non-existence, c'est bon ? Donc, nos arod, nos caractéristiques, que ce soit la chaleur, le mouvement, l'immobilité, la couleur, etc., tu vois que tantôt elles existent, tantôt elles n'existent pas. C'est-à-dire qu'elles passent de l'état du néant à l'existence ou de l'état de l'existence au néant. C'est clair ? Et qu'est-ce qu'il a dit Al-Mayyara ? Il dit « Wa kullu ma kana kadhalik » et tout ce qui est ainsi, « fa huwa hadith » et contingent. Qu'est-ce qu'il en résulte ?« Yan tuju al-arad ou haditha » Donc qu'est-ce qu'il en résulte de cela ? Ben, si tout ce qui est changé est créé et mes caractéristiques sont créées, donc forcément mes arad sont créés. Donc ça c'est la preuve rationnelle que les caractéristiques des créatures sont créées. Et donc, la preuve rationnelle que la créature est créée, c'est quoi ? C'est que comme elle est indissociable de ses caractéristiques qui sont créées, donc la créature est créée. C'est bon ? Et comme le monde est composé de créatures et que les créatures sont créées, si les composantes du monde sont créées, donc par forcément, a fortiori, le monde est lui-même créé. Et comme le monde est lui-même créé, il a besoin d'un créateur. Donc le monde est créé par un créateur et ce créateur, c'est Allah. Tu vois comment tout, c'est comme les poupées russes en fait. C'est un télescopage en fait d'arguments rationnels. C'est aussi que si tu veux apprendre la religion et surtout le tawhid, il faut que tu sois fort en langue. Et si tu apprends en français, il faut que tu sois fort en français aussi. En fait, là, tu as un télescopage en fait d'arguments rationnels filés en fait. C'est quoi la preuve que l'accord qu'a la caractéristique est créé ? C'est que ces caractéristiques sont créées. Et comme il est indissociable de ces caractéristiques, donc la créature est créée. C'est quoi la preuve que le monde est créé ? Le monde, c'est l'ensemble de toutes les créatures réunies. Donc si les composantes du monde, qui sont les créatures, sont créées, a fortiori, ben, le tout qui rassemble ces créatures est lui-même créé. C'est bon ? Et donc là, tu as prouvé l'existence. Tu as prouvé que nos caractéristiques, le monde dans son ensemble est créé. Et la création du monde prouve l'existence du créateur. Et comme le monde est créé, donc il a besoin de qui l'a créé, et donc c'est Allah. Donc forcément, Dieu n'existe pas dans le monde ni à l'extérieur du monde, parce que Dieu n'est pas dans le monde. N'est pas une créature comme le monde. Donc là, en fait, c'est ça qu'il a dit Ibn Rushd dans trois vers de poésie. Il t'a fait toute cette suite-là, filée, télescopée, d'arguments rationnels qui coulent en cascade. Ça implique ça, qui implique ça, qui implique ça, qui implique ça. Et là, je l'ai refait à l'envers, en fait. C'est bon ? Sauf qu'Ibn Rushd dans ses vers de poésie, il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'est pas allé jusqu'à prouver la preuve que la caractéristique est créée. Il s'est arrêté à la créature.
Et elle m'a dit, alors dans son commentaire, elle est plus loin, elle a dit, et c'est quoi la preuve que la caractéristique de la créature est créée aussi, elle aussi? Mais comme c'est évident à la fin qu'il n'a pas tout créé, tout cité, Ibn Rushd. Mais c'est pour ça que plus tu apprends le tawhid, plus après tu deviens ultra intelligent. Et ça, c'est pas de la philosophie, ça c'est le tawhid. Les philosophes, eux, utilisent l'intelligence dans autre que ça, donc ils s'égarent. Le musulman, c'est que si quelqu'un est très intelligent, de lui-même tout seul, même s'il n'a pas pris la religion, même s'il n'a jamais connu l'islam, tout seul en raisonnant, il peut se prouver à lui-même que Dieu existe. Et ce raisonnement-là, le philosophe Pascal, il l'a fait dans ses pensées. Et quand on voit le monde, l'infiniment grand, l'infiniment petit, etc. Bon, lui, il n'est pas arrivé jusqu'à l'islam. Mais c'est pour ça que Napoléon, il disait, après, c'est des références françaises, Napoléon Bonaparte, il disait que les gens étudient de plus en plus à notre époque, à son époque, que les gens deviennent de plus en plus lettrés, etc. Et donc, il disait, moi, ma croyance, c'est que beaucoup de gens vont rentrer en islam bientôt, parce que les gens deviennent de plus en plus cultivés, de plus en plus s'intéressent à la littérature, tout ça. Et donc, toute personne cultivée qui sait réfléchir, quand ils réfléchissent sur l'islam, ils voient que c'est la vérité au final. Mais il y en a, ils ont peur, ils s'arrêtent avant. Mais c'est pour ça que plus les gens sont intelligents, plus ils reconnaissent que l'islam, c'est la vérité. Après qu'ils y croient ou pas, c'est autre chose. Mais il y a plein de grands intellectuels français qui ont reconnu le mérite de l'islam parce qu'ils ont vu que c'était rationnel. Et c'est pour ça qu'ils sont jaloux de nous aussi. Qu'ils essaient de détruire nos livres. Parce que quand tu lis le livre de la croyance musulmane, tu peux rien dire en fait. Ça, c'est plus fort que la philo en fait. Ça détruit la philosophie. Parce que la philo, ça te mène dans des méandres, dans les méandres du Minotaure, dans l'antre du Minotaure. C'est-à-dire que tu te perds dans le labyrinthe et à la fin, tu t'es mangé par le Minotaure. Mais c'est tout. Ça te mène à rien, la philosophie. Tu réfléchis sur. Tout le temps, tu évites l'islam, en fait. Alors que l'islam, ça t'amène à la vérité. Via la réflexion logique. Alors que la philo, ça t'égare via la réflexion logique. Donc c'est pour ça que les savants, ils disent que la base de l'islam, c'est pas le raisonnement rationnel. C'est ce qui est rappelé dans les textes. Parce que ce raisonnement rationnel-là, il est soutenu. Il soutient les textes. Il vient soutenir les textes. Mais la base dans l'islam, c'est les textes. Mais Dieu, il n'a jamais révélé quelque chose qui est contraire au raisonnement logique. C'est pour ça que par la raison, la personne sait que l'islam c'est la vérité. Et c'est pour ça que même si quelqu'un il n'a pas de livre révélé, etc., le simple, c'est pour ça que beaucoup de prophètes ont utilisé l'argument rationnel pour prouver que l'islam c'est vrai. Surtout concernant Allah Azzawajal. Et ça, c'est irréfutable. C'est incontrable. Tu ne peux pas contrer cet argumentaire-là. Tu peux pas, tu peux pas. C'est invincible cet argument-là. C'est la pure vérité. Voilà, l'eau cristalline qui coule de source. C'est vraiment, il n'y a pas plus clair que ça. Et tu peux pas contrer ça. C'est la pure logique. Ça s'appuie sur des choses que tu observes toi-même. C'est la pure vérité. C'est ça, là, le cœur de l'islam, c'est ça. Ça, c'est ce que c'est en premier Ibn Rushd. Et ça, aucun philosophe et aucun égaré au monde ne pourra contrer cet argumentaire-là. C'est pour ça que les wahhabites, et tels que les wahhabites, ceux qui étaient avant lui, comme les Mujassima, les Mushabiha, ils disent aux gens, faut pas réfléchir dans l'islam. Parce que si tu commences à réfléchir et tu vas dans l'entonnoir, dans ce canal-là du tawhid, dans cet entonnoir-là, tu vas forcément retomber dans la vérité. Eux, ils ne veulent pas que tu rentres dans cet entonnoir-là. Ils veulent que tu restes sur les côtés. Non, non, mais réfléchis pas quand tu parles de Dieu comme ça, tu ne trouves pas la vérité. Et c'est pour ça qu'ils disent c'est bidra, cette science-là, que c'est haram de rentrer dans des argumentaires rationnels comme ça, parce qu'ils ne veulent pas que les gens trouvent la vérité. Ils veulent que les gens ils restent égarés. Or, quelqu'un qui est wahhabite tel que le wahhabite, s'il réfléchit un temps soit peu, il verra que c'est pas logique. Tout ce qu'ils enseignent, y a pas, y, ça se tient, ça tient sur rien en fait. Et les gens du livre, c'est pareil, et les athées, c'est pareil. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ben, l'existence du monde prouve l'existence du Créateur. En fait, cet argumentaire-là, il ramène tout le monde à la vérité. Mais c'est pour celui qui veut réfléchir. Mais si quelqu'un ne veut pas réfléchir, et ben, il va éviter cet argumentaire-là. Ou c'est trop compliqué pour lui, etc. etc. Alors qu'en fait, l'islam, il se prouve vraiment, outre les textes, se prouve par un argument rationnel invincible, quoi, irréfutable, inébranlable. Et c'est pour ça que le musulman, plus il apprend le tawhid, plus il est ancré. Comme dit Tahawi, que son pied, il reste ferme sur l'islam. Karusukh al-Jibal, il est comme les montagnes qui sont présentes dans le sol. Al-Jibal awtad. Dieu l'a dit, les montagnes, elles sont comme des piquets dans le sol. Le musulman, plus il est fort dans la croyance, plus il est inébranlable. Après, il rigole quand il voit les égarés. Il dit, mais eux, ils n'ont pas de raison. Et donc Dieu l'a dit, waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Que les gens de l'enfer, ils diront, si seulement nous avions écouté ou raisonné, nous ne serons pas parmi les gens de l'enfer. Donc quand tu vois que les égarés te disent, faut pas réfléchir quand on te parle de Dieu, c'est qu'eux, ils veulent te mener en enfer et pas au paradis. Et celui qui
qui rentre au paradis, c'est celui qui أن برهان حدوث العالم ينبني عندهم على إثبات أربعة مطالب. Il a dit, et sache que la preuve que le monde il est créé est elle-même construite et fondée sur quatre principes. Sur quatre principes. أربعة مطالب. الأول إثبات زاهد تتصف بالأجرام. La première chose, c'est comment tu prouves que le monde il est créé. En confirmant qu'il y a un surplus autre que le corps par lequel le corps est caractérisé. Parce que les attributs des corps ne sont pas le corps lui-même, c'est bon? Donc, n'est-ce pas qu'il existe des caractéristiques qui sont autres que le corps? Donc ça, c'est le premier pas pour dire que le monde est créé. C'est de confirmer qu'il y a des choses additionnelles autres que le corps par lesquelles le corps est caractérisé. C'est bon, tu as le corps et les caractéristiques du corps. C'est la première chose. C'est mon premier principe, c'est qu'il y a des choses, tu confirmes l'existence de choses additionnelles au corps par lesquelles le corps est caractérisé. Qui sont donc les a'rad, les attributs du corps. C'est bon? Ça, c'est le premier principe. Athani ithbat hudouth dhalika zaid. Deuxième point, donc deuxième étape, après avoir confirmé que ces choses-là existent, qui sont les caractéristiques du corps, tu confirmes que ces choses-là additionnelles qui sont autres que le corps sont contingentes. Donc, premier pas, tu dis quoi? Tu prouves l'existence des arlots, c'est bon? Donc, ça, on le sait par la simple observation. Deuxième chose, tu prouves que ces arlots, elles sont entrées en existence. Elles sont contingentes. Alors, lui, il t'a formulé d'une manière un peu alambiquée par un autre biais, tu vois. Lui, il t'a dit, tu confirmes l'existence d'une chose additionnelle au corps, par laquelle le corps est caractérisé, c'est bon? Après, tu prouves la contingence de cette chose-là additionnelle, qui est la caractéristique du corps, c'est bon? الثالث إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد. Troisième principe, donc troisième étape dans le raisonnement, tu prouves que les corps sont indissociables de cette chose-là additionnelle. Là, il te résume tout ce qu'on a expliqué avant, c'est bon? Troisième étape, c'est quoi? Tu prouves que les corps sont indissociables, ils ne se défont pas en fait, ils sont indissociables de ces choses-là additionnelles qui sont quoi? Les caractéristiques des corps, c'est bon? Al-Rabi'u ithbatu istihalati hawadith la awwala laha. Quatrième principe pour prouver que le monde est créé, c'est que tu confirmes que c'est impossible selon la raison que des choses contingentes n'aient pas de début. Contingente, c'est-à-dire que tu as un début. Donc, c'est impossible selon la raison qu'une chose créée, elle existe de toute éternité sans début. C'est bon? Donc, l'argumentaire qui prouve, rationnel, qui prouve l'existence du monde, il s'appuie sur ces quatre principes-là, ces quatre fondements. Tu peux les répéter? On a prouvé que, dans un premier temps, que le monde est créé. Donc là, on confirme que le corps est caractérisé par des attributs. Non, prouver que le monde est créé, ça, c'est le sujet du problème. C'est bon? La preuve que le monde est créé se repose sur quatre principes argumentaires rationnels. Le premier, c'est quoi? De confirmer. Que le corps est caractérisé par les attributs qui sont définis. Ouais, mais t'as pas noté ce que j'ai dit alors. Ça, c'est de la reformulation, mais lui, il a dit quoi? De confirmer une chose additionnelle au corps par laquelle le corps est caractérisé. C'est le premier principe. Deuxième principe. De confirmer que cette chose-là additionnelle a un début, qu'elle est contingente. Troisième principe, de confirmer que le corps est indissociable de cette chose-là additionnelle. Quatrième principe, le fait de confirmer que c'est impossible selon la raison qu'une chose contingente n'ait pas de début. C'est ça, mot à mot, ce qu'il a dit en arabe. Après, moi, j'ai reformulé, mais c'est ça qu'il fallait noter. C'est bon? Donc ça, c'est la première chose. C'est bon? La première base. ثم المطلب الثاني منها هو حدوث زائد يتوقف أيضا على أربعة أحوال على أربعة أصول. Et donc المطلب الثاني منها, donc c'est quoi le deuxième principe qu'on a cité? L'entrée en existence de ces choses additionnelles, l'entrée en existence des attributs du corps, c'est bon? Ce principe là, ce deuxième principe là qui est l'entrée en existence des caractéristiques des corps, il se repose lui-même sur quatre fondements, comme on a su que nos caractéristiques sont entrées en existence.
Ça se repose sur quatre choses. C'est bon? T'es avec moi? Il y a quatre choses qui prouvent que nos caractéristiques, les arwad sont les choses éphémères, la chose additionnelle au corps est entrée en existence. C'est quoi ces quatre choses? El awwal ibtalu qiyam dhalika za'id bi nafsihi. La première chose, c'est que cette chose-là additionnelle au corps, c'est impossible qu'elle existe toute seule, indépendamment du corps. Elle n'existe pas par elle-même. Ça, c'est une chose très importante. T'as compris ou pas? Les quarantaines de caractéristiques qui définissent le corps, comme la couleur, le mouvement, l'immobilité, etc., ces choses-là, elles n'existeront jamais toutes seules par elles-mêmes. Elles existent forcément uniquement qu'à travers le corps. T'as compris? Une couleur n'existe pas toute seule, c'est un corps qui a une couleur. Le mouvement n'existe pas tout seul, c'est un corps qui est en mouvement. La chaleur n'existe pas tout seul, c'est un corps qui est chaud. Même quand il fait chaud, c'est l'air qui est chaud. L'air, c'est un corps qui est impalpable. Parce que le corps est aussi palpable ou impalpable. On voit tous les cours qu'on a vus avant. Le corps est soit palpable, soit impalpable. Mais quand il fait chaud, c'est pas la chaleur qui existe toute seule, c'est l'air qui est chaud. Ou c'est l'air qui est froid. C'est bon? Quand il y a du vent, c'est l'air qui circule. Quand il n'y a pas de vent, c'est l'air qui est immobile. T'as compris ou pas? Donc les caractéristiques des corps, la chose additionnelle au corps, elle n'existera jamais toute seule. C'est quelque chose qui existe à travers le corps. Alors que le corps, lui, il existe par lui-même. C'est-à-dire quoi par lui-même? C'est-à-dire que Dieu l'a créé, mais le corps, il existe, un corps existe tout seul. T'as compris ou pas? Il n'y a pas besoin d'exister à travers un autre corps. Bon, dans le sens, c'est pas une caractéristique du corps, c'est bon pour tout le monde? C'est-à-dire que le corps, il peut exister sans avoir de couleur. C'est bon? Le corps, il peut être immobile, il peut être en mouvement. Il peut exister par lui-même, le corps. Après, il a forcément des caractéristiques, une des caractéristiques qu'on a citées. S'il n'est pas en mouvement, c'est qu'il est immobile. S'il n'est pas chaud, c'est qu'il est froid, etc. Mais le corps a une existence propre à lui. Alors que la caractéristique du corps, elle n'a pas une existence propre à elle. Elle existe forcément à travers un corps. T'as compris la différence entre les deux? Donc, c'est quoi les quatre fondements qui prouvent que la caractéristique du corps, elle est créée? Le premier, c'est que c'est impossible. C'est impossible que la caractéristique, elle existe toute seule par elle-même. Comme on a dit, elle est indissociable du corps et elle existe à travers le corps. C'est bon? C'est bon jusque-là? Athani ibtalu intiqaluhu. Donc, le deuxième, c'est que cette caractéristique-là est indissociable du corps. Elle n'existe pas toute seule et en plus, c'est impossible qu'elle soit dissociée du corps. C'est bon? Quelle est la différence avec La différence, c'est qu'elle n'existe pas toute seule indépendamment d'un corps et elle n'est pas dissociée du corps. C'est-à-dire un corps qui est en mouvement, tu ne peux pas enlever son mouvement du corps s'il est en mouvement. Ça, une tirkhal, t'as compris? C'est technique un peu en arabe aussi, il faut comprendre ce qui veut dire. Un mouvement tout seul n'existe pas indépendamment d'un corps, c'est bon? Et si un corps est en mouvement, on ne va pas dire le mouvement il quitte le corps. Alors que tu peux pas dissocier le mouvement du corps quand le corps est en mouvement. Une voiture qui roule. C'est bon? Est-ce que tu arrives à. Je ne parle pas que la voiture s'arrête. La voiture elle est en train de rouler là. Est-ce que tu peux dissocier le mouvement de la voiture de la voiture? Ben non. C'est bon? Et est-ce que le fait de rouler, il peut avoir lieu sans voiture? Non. Elle est sans voiture qui roule. T'as compris ou pas? Est-ce que le mouvement de la voiture peut exister s'il n'y a pas de voiture? Non. Donc le mouvement tout seul n'existe pas. Il existe forcément à travers la voiture, dans l'exemple qu'on a cité ici, c'est bon? Et quand la voiture elle roule, tu ne peux pas dissocier le mouvement de la voiture qui est en train de rouler. T'as compris? Donc ça, c'est la deuxième chose. Et troisième chose, thalithu ibtalu kamunihi wa dhuhuruhu. Wa dhuhurihi. Ça veut dire que c'est impossible le fait que l'attribut du corps disparaisse du corps tandis que le corps a cet attribut-là. C'est trois notions proches, mais c'est-à-dire que est-ce qu'une voiture peut rouler et l'attribut du mouvement, il disparaît dans la voiture pendant qu'elle roule? Ben non, le seul moyen qu'elle disparaisse, c'est qu'elle s'arrête, c'est bon? Donc ça veut dire que ni le mouvement, il peut être dissocié du corps, c'est-à-dire ni le mouvement, il peut exister indépendamment du corps, ni le mouvement peut être dissocié du corps tandis que le corps est en mouvement, et ni le mouvement peut disparaître du corps tandis que le corps est en mouvement. T'as compris ce que je veux dire ou pas? Quand tu dissocies le mouvement du corps, le mouvement est toujours existant. Mais il est dissocié du corps, c'est impossible sans la raison. C'est bon?
Et tu ne peux pas dire le corps est en mouvement et le mouvement il disparaît. Et le corps reste en mouvement sans avoir de mouvement. C'est impossible. Ben, ces trois choses-là, et le fait que le mou... Est-ce que je cite un autre exemple que le mouvement? La chaleur, le corps, il est chaud. Qu'est-ce que je cite comme exemple? Si je prends un exemple de caractéristique. La chaleur, le corps est chaud, c'est bon. Est-ce que la chaleur toute seule peut exister sans qu'il y ait un corps qui est chaud? Non. C'est bon? Est-ce que la chaleur, tandis que le corps est chaud, est-ce que tu arrives à séparer la chaleur du corps? Non, parce que les deux, ils sont ensemble. Pour que la chaleur existe, il faut que le corps il soit chaud, et que le corps il soit là. Donc les deux, ils vont ensemble, c'est bon? Et est-ce que tu peux considérer que le corps est chaud, mais que la chaleur disparaisse dans le corps, elle disparaisse la chaleur, elle soit plus apparente, mais que le corps il reste chaud? Ça marche pas. Donc l'un est toujours indissociable de l'autre, c'est bon? C'est-à-dire que un corps chaud n'existe pas sans chaleur. T'as compris ou pas? Est-ce qu'un corps chaud peut exister sans attribuer de la chaleur? Ça marche pas. Donc là, il t'a cité trois sujets en fait. C'est que l'attribut n'existe pas tout seul. L'attribut n'est pas dissociable du corps qu'à cet attribut-là. Et l'attribut ne disparaît pas pour le corps qui a cet attribut-là. Tant qu'il a cet attribut-là. T'as compris ou pas? C'est trois choses différentes. L'attribut n'existe pas tout seul. L'attribut n'est pas dissociable du corps qui a cet attribut-là. Et l'attribut ne peut pas disparaître alors que ce corps-là a cet attribut-là. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que l'attribut est toujours associé au corps. Il n'existe jamais indépendamment du corps, il n'est jamais dissocié du corps et il ne disparaît jamais dans le corps lorsque le corps a cet attribut-là. T'as compris? Donc ça, c'est les trois fondements qui prouvent que l'attribut du corps, il est créé. T'as compris? Quand je te dis, les malékites, ils vont super loin dans la croyance. Hein. Même moi, quand j'ai appris le tawhid au départ, je ne suis pas allé aussi loin dans les détails. Mais en fait, tu prouves même la preuve qui prouve que ça s'est créé, la preuve de ça qui prouve de ça, etc. Et les fondements sur quoi ça se repose. Ça montre à quel point c'est intelligent et savant. Et pourquoi il détaille autant? Pour préserver au maximum ta croyance de tomber dans le tashbih, dans l'assimilation de Dieu à ses créatures. Et ça, le tawhid, c'est-à-dire qu'ils sont tellement allés loin dans la dissociation de Dieu à ses créatures qu'ils sont allés jusqu'au détail du détail du détail pour décortiquer comment la créature elle existe et l'attribut des créatures. Comme ça, tu fais l'absolue distinction entre Dieu et ses créatures. Plus tu détailles dans l'exploration de la créature, plus tu éloignes Dieu de tout cela et plus tu sais que Dieu ne ressent pas ce qu'il a créé. Parce que tout ce qu'on parle là, Dieu n'est pas concerné par cela. Et moins tu détailles et plus tu confonds Dieu et sa créature, plus tu tombes dans le shirk en fait. C'est ça le tawhid, comme l'a dit Al-Junayd, ifradul qadim min al-muhdath, de faire l'absolu discernement, distinction entre al-qadim, celui qui n'a pas de début, et al-muhdath, le contingent qui a un début. Et comment tu fais là? C'est-à-dire que plus tu creuses dans le tawhid, plus tu creuses dans les caractéristiques des créatures et ce qui les définit, plus tu creuses le fossé entre Dieu et ses créatures. T'as compris ce que je veux dire au sens figuré? Plus tu vas loin dans la réflexion sur la créature, plus tu connais Allah dans le fait qu'il ne ressent pas ce qu'il a créé. T'as compris le sujet? C'est pour ça que c'est important d'apprendre la science du tawhid. Plus tu vas loin dans le tawhid, plus tu connais Dieu. Et tu connais pas Dieu en l'imaginant, en cherchant à l'imaginer, tu connais Dieu en méditant sur les créatures. T'as compris? Et plus tu vas loin dans la méditation sur les créatures, plus tu as conscience que Dieu ne ressent pas ce qu'il a créé. Parce que Dieu n'est pas un corps, n'a pas les caractéristiques des corps, et tout ce qu'on cite là, Dieu n'est pas concerné par cela, parce que c'est lui qui l'a créé. Et plus tu vas loin dans la méditation sur la créature, plus tu te rends compte à quel point la créature est créée et à quel point elle a besoin d'un créateur. C'est comme les scientifiques qui analysent les molécules, les atomes, etc. Plus tu vas loin, plus à la fin tu ne peux que reconnaître que Dieu existe. Tu ne peux pas dire tout ça, ça a lieu sans que. C'est ce qu'il a fait, dit Pascal. Quand tu vas dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est sa parole à lui, hein, tu peux que reconnaître que le monde il a un créateur. Pascal, c'est pas un musulman. Mais ça veut dire que lui, dans sa philosophie, il a quand même fait ce raisonnement-là rationnel. S'il avait été allé plus loin, il aurait abouti à l'islam. S'il avait été plus loin que ça, il aurait abouti à l'islam. Et en or, l'âme, s'il n'y a pas des philosophes qui se convertissent à l'islam au final, ou des scientifiques qui se convertissent à l'islam, il y en a plein. Hein. À force de raisonner, bah, après, il faut que tu crois au roi de Mohammed pour être musulman après. Ce n'est pas juste suffisant de reconnaître qu'il y a un créateur. Tu as compris le sujet? Et je ne dis pas que c'est une référence, parce que je veux dire, c'est pour vous dire que même chez les philosophes, il y en a, ils ont abouti à ce raisonnement-là qui mène à l'islam. Pour dire à quel point celui qui utilise sa raison sainement, ça confirme et ça témoigne de la véracité de l'islam. C'est vrai que le musulman, s'il va être. Rien, il va dire oui, je ressens pas de spiritualité, j'ai une baisse de foi, mais toi, tu as appris quoi du tawhid?
Quand tu apprends le tawhid, ta foi elle est forte. Si tu n'as pas appris, c'est normal que ta foi elle est faible. Parce qu'elle ne repose pas sur des bases solides. Et plus tu apprends en détail la croyance, et ça apprend le tawhid. Qui c'est qui enseigne ça aujourd'hui? Alors que ça, c'est Ibn Rachir, les enfants ils l'apprennent au Maghreb ce texte-là. Les enfants ils l'apprennent par cœur l'après Ibn Rachir. Et ça traite de tous ces sujets-là. Imagine comment les enfants musulmans dans le passé ils étaient forts, ils étaient inébranlables dans la croyance. Mais là, c'est celui qui apprend la religion. Celui qui apprend pas, ben, c'est une feuille morte qui va avec tous les vents et il ne comprend pas c'est quoi le tashbih, c'est quoi le tajsim, la différence entre Dieu et ses créatures. Et facilement, il glisse vers le fait de croire que Dieu est un corps, que Dieu est assis dans le ciel. Et pour lui, ça pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié le tawhid. Mais si quelqu'un a étudié le tawhid jusqu'à ce degré-là de détail, et après tu lui dis Dieu est un corps assis dans le ciel, mais tu dis, mais t'éclates de rire. Tu dis, mais le mec, il n'a rien compris à l'islam. Là, quand on voit le détail, l'attribut des corps, les corps, tout ça, et lui, il dit clairement que Dieu est un corps, mais il n'a rien compris au tawhid. T'as compris à quel point ça devient flagrant et évident, la mécréance de celui qui dit que Dieu est un corps quand tu as étudié le tawhid? C'est flagrant. C'est pour ça qu'il dit non, faut pas étudier, faut pas apprendre ça, faut pas utiliser ces arguments rationnels, parce qu'ils ne veulent pas être dévoilés. Alors qu'est-ce qu'a dit Ibn al-Arabi, comme il rapporte Al-Mayr dans le texte qu'on a vu avant? Il a dit qu'il y a unanimité, que celui qui croit que Dieu est un corps, il n'est pas musulman. T'as compris? Et que celui qui croit que Dieu est dans un endroit, ça implique que Dieu serait un corps et que. Ou à Ijmar à la Kufli Sahibi, il a dit il y a unanimité que celui qui a cette croyance-là, il n'est pas musulman. Mais ça ne le sait que celui qui a étudié. T'as vu le danger, celui qui n'étudie pas, il est exposé à s'égarer rapidement. Alors celui qui a étudié, tu auras beau lui dire des faux, des hadiths ou des ayahs mal interprétés, bah, il va toujours rester ferme sur l'islam et dire mais non, c'est pas le sens qui est visé. Parce que sa raison, elle l'aura tenue dans les argumentaires rationnels qui prouvent que le monde est créé, que nos attributs sont créés. Donc si Dieu a des attributs comme nous, ou il changeait comme nous, bah, il serait créé tout comme nous, on est créé. Et ça, la raison ne l'accepte pas. T'as compris? C'est pour ça que les savants ont pris autant de soin à aller dans le détail du tawhid pour préserver la croyance des musulmans. Du tajsim, du tajbi, de la corporalité, de l'anthropomorphisme, etc. Mais celui qui n'a pas appris, ben, il n'a pas cette garde-fou, il n'a pas cet ancrage-là dans la croyance, et du coup, il glisse facilement vers la mécréance. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, à cause des wahhabites sur Internet, ou de ceux qui ont la même chose que les wahhabites. Même s'ils ne disent pas wahhabites, se prétendent salafistes, affarites, etc. Parce que les gens ont tellement pas de base dans le tawhid. En fait, ils font pas de distinction. Ils croient qu'il y a plusieurs avis. Si tu veux, tu crois ça. Si tu veux, tu crois ça. Mais quand tu as appris le tawhid en détail, tu vois qu'il n'y a qu'un seul avis. L'entonnoir, il se réduit, il se réduit, il se referme juste sur une seule vérité, que la croyance du tawhid, qui a été étayée par les Ash'arites et Maturidites. Tu as compris le sujet? Et donc, on termine juste qu'est-ce qu'il a dit. Donc, quatrième. Donc, on a dit que c'est impossible que l'attribut de la créature il disparaisse dans la créature tandis qu'il a cet attribut-là. Ar-rabi'u. Et la quatrième chose qui prouve que nos attributs sont créés et que le monde est créé, etc., par extension, c'est l'impossibilité que celui qui n'a pas de début aille au néant. C'est qui n'a pas de début? C'est Allah. Et donc c'est impossible qu'il aille au néant parce que celui qui va au néant, c'est celui qui a été précédé par le néant, et celui qui est précédé par le néant, c'est celui qui a un début. C'est celui dont son existence était précédée par le néant. Or Dieu, son existence n'a pas de début, donc elle n'est pas précédée par le néant, donc c'est impossible que Dieu aille au néant. Donc Dieu est éternel, sans début et sans fin. T'as compris? Il est le Qadim. Huna al-Qadim ma'na annahu laysa lahu bidaya. Fa majmou' al-usuli allati yanbani 'alayha huduth al-'alam sabratun kama marra. Donc l'ensemble de tous les fondements sur lesquels et prouver que le monde est créé sont donc au nombre de 7. Si tu réunis tout ce qu'on a cité depuis le début du cours, ça te donne 7 fondements principaux qui prouvent que le monde est créé. Inch'Allah, ils sont allés loin. C'est même pour catégoriser les choses, etc. Kamamara, tout comme on l'a vu auparavant. Walhasilu anna dalil la wujudihi ta'ala huduthul 'alam. Et donc la résultante de tous ces fondements-là, c'est quoi le résultat final? La fin de l'entonnoir, c'est quoi? C'est que la preuve de l'existence de Allah Ta'ala est le fait que le monde est contingent, tout simplement. C'est que le monde a un début. Si le monde a un début, ça prouve qu'il a été créé par un créateur qui n'a pas de début. T'as compris? Donc, la résultante de tous ces 7 fondements-là, c'est quoi? C'est que la preuve de l'existence de Allah Ta'ala est que le monde a un début, c'est la contingence du monde. Et la preuve que le monde a un début, la contingence du monde, c'est quoi? C'est que le monde est indissociable de caractéristiques qui ont elles-mêmes un début.
Donc il a dit وَدَلِيلُ حُدُوثِ الْعَالَمِ مُلَازَمَتُهُ لِلْأَعْرَاضِ الْحَادِثَةِ فَهُوَ أَيْ دَلِيلُ حُدُوثِ الْعَالَمِ مِنْ بَابِ الِاسْتِدْلَالِ بِحُدُوثِ أَحَدِ الْمُتَلَازِمَيْنِ. Et donc l'argument, la preuve qui prouve que le monde a un début, vient du domaine de la résultante rationnelle, c'est-à-dire que comme le monde est indissociable de ses caractéristiques et que les caractéristiques du monde ont un début, bah, ça implique que le monde lui-même a un début. T'as compris? Comme le corps et les corps composent le monde, et que les corps ont des caractéristiques qui ont un début, donc le monde a des caractéristiques qui ont un début parce qu'il est composé lui-même de corps qui ont des caractéristiques qui ont un début. Et donc comme le corps est indissociable de caractéristiques qui sont contingentes, donc le monde est indissociable de caractéristiques qui sont contingentes, et comme les caractéristiques sont contingentes et que le corps est indissociable de ces caractéristiques-là, donc le monde est indissociable de ces caractéristiques, et comme ces caractéristiques-là sont contingentes, donc le monde est contingent aussi. Pourquoi? Parce que la contingence des caractéristiques du monde implique de fait la contingence du monde lui-même, qui a ces caractéristiques-là. T'as compris? فهو من باب الاستدلال بحدوث أحد المتلازمين وهو الأعراض على حدوث الآخر وهو الأجرام. Donc ici, on s'est servi du fait que les caractéristiques sont contingentes. Par déduction, on en déduit que le corps est contingent. Et comme le monde est composé de corps contingents, donc le monde est lui-même contingent. Donc en fait, ici, on s'est basé sur la contingence des caractéristiques pour déduire que le monde est contingent parce qu'il est indissociable de ces caractéristiques-là qui sont contingentes. T'as compris? ويتوقف حدوث العالم على سبعة مطالب كما تقدم. Et la preuve de l'existence du monde repose sur sept principes, tout comme on l'a vu précédemment, ce qu'on a noté. انظر شرح الحفصي المراكشي على الصغرى على صغرى الشيخ السنوسي فقد بين ذلك وبسط فيه القول بقدر المقام. Et donc après, il a recommandé à l'étudiant, s'il veut davantage de détails, qu'il regarde le commentaire de l'Hafsi, le Marocain de Marrakech, qui a écrit un livre, un commentaire sur le petit commentaire de As-Sanoussi, qui est un grand savant malikite dans la croyance aussi. C'est de As-Sanoussi que Ahmed Bamba, le cheikh sénégalais, il a repris l'explication de la croyance. Il a dit car certes, il a détaillé tout cela et il a étendu le propos à ce sujet-là. Dans la même proportion que la valeur du propos. C'est-à-dire qu'il a, autant cette science-là est importante, il a fait un commentaire d'important. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on a cité, c'est un résumé, quoi. Tu vois? Et après, il a cité des vers de poésie, etc., etc. C'est clair? Et après, il y a le vers de poésie 24. « Lo lam yakul qidamu wasfuhu lazim »« Wasfahu lazim » حدوثه دور تسلسل محيط. Et ça, on le verra la fois prochaine. Qu'est-ce que ça implique si le monde n'avait pas été créé? Qu'est-ce que ça impliquerait? Ou si Dieu avait été créé lui-même, qu'est-ce que ça impliquerait comme chose impossible rationnelle? Soit une boucle infinie, ou soit une chaîne infinie. Et ça, on le verra le prochain cours, Inch'Allah. C'est bon, donc là on a terminé tout ce qu'il fallait dire par rapport à l'explication des vers de poésie. T'es clair, mon tout le monde? T'as des questions ou pas? Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. À ces cours-là, pour les wahhabites, pour eux c'est le pire, quoi. Ils vont dire, ah non, c'est haram, c'est bid'a, pourquoi on rentre ces détails-là? Alors que tous ces détails-là, les savants, ils l'ont simplement déduit des textes. Comme il a dit al-Razi, comme il a dit al-Asfarahini, tout cet argumentaire-là, Ibrahim, il a réuni en une seule parole. Inni la uhibbul afilin. Certes, moi, je n'adore pas quelque chose qui change. Parce que le changement, ça implique tout ce qu'on a cité là. Tu imagines l'intelligence des prophètes? Tout ce qu'on a expliqué là, c'est juste l'explication de Ibrahim. Et ça, c'est Al-Farahini qui l'a dit dans son tafsir, et également Al-Razi dans son tafsir. D'autres savants l'ont dit aussi. Pourquoi Ibrahim? Parce que son peuple était idiot. Il n'a pas rentré dans tout ce discours-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est juste contenté de montrer le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil, il bouge d'un état à un autre. Les étoiles changent d'un état à un autre. La lune change d'un état à un autre. Et Ibrahim, il a dit, moi, je n'adore pas qu'est-ce qui change. Je n'aime pas, inni la uhibbul afilin, je n'aime pas ce qui se couche. Ça veut dire, je n'adore pas quelque chose qui change d'un état à un autre. T'as vu, il a concrétisé tout cet argumentaire rationnel simplement en montrant des créatures qui changent. Il a dit, regarde, le soleil, il est dans le ciel, il change d'un état à un autre. Moi, je n'adore pas quelque chose qui change. Ils n'ont pas compris. Quand le soleil s'est couché et que la lune est arrivée, il a montré la lune. Il a dit, est-ce que ça c'est mon Seigneur? Non, c'est pas mon Seigneur.
parce que sachant d'être un homme, moi j'adore pas quelque chose qui change. Ils n'ont pas compris. Quand il y a les étoiles qui sont apparues, il a montré les étoiles. Et il a dit, Hadha Rabbi, ça c'est mon Seigneur. Ça c'est pas mon Seigneur. J'adore pas des choses qui changent. Et ils n'ont toujours pas compris. Après, donc il a fait le même argument avec les idoles. Il a dit, mais est-ce que vous adorez des choses que vous avez vous-même fabriquées? Et ils n'ont pas compris. Donc il a cassé les idoles. Et pour me prouver que les idoles ne sont pas capables de se défendre, donc elles sont faibles, donc elles sont créées. Et ils n'ont toujours pas compris. Et il a dit aux idoles, parlez, dites, qu'est-ce qui c'est qui vous a cassé? Elles n'ont pas parlé. C'était pour prouver que celui qui est faible, qui ne peut pas parler, il n'est pas Dieu. Et ils n'ont toujours pas compris. Tout ça, c'était des arguments. Ibrahim ne leur a pas prouvé l'islam avec des textes. Il leur a prouvé que par des argumentaires rationnels. Et donc, Abul Hassan Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi, ils ont repris ce système-là d'argumentaire rationnel et l'ont appliqué sur les créatures de manière générale et ils ont encore plus développé l'argumentaire de Ibrahim. Mais ils ont pris tout ça à la source dans le Coran. Pourquoi? Parce que Dieu il a dit, Watilka hujjatuna. Et voici notre hujja, c'est ça notre argumentaire. Atainaha Ibrahim ala qawmi. Nous l'avons accordé à Ibrahim contre son peuple. Donc Dieu nous a montré l'exemple que c'est ce type d'argumentaire qu'il faut utiliser contre les gens qui sont ignorants pour prouver que l'islam est vrai. Si tu veux prouver avec des arguments rationnels à des gens qui ne croient pas au Coran ou au Hadith. Et dans d'autres ayats, Allah Ta'ala, il a dit Qul hadhihi sabili. Dis, voici mon chemin. Voici ma voie. Il a dit auprès de Mohammed, dis aux gens, voici ma voie. Adorons ilallahi ala basira. Ana wa man tabarani. Il a dit, j'appelle à adorer Allah selon une basira. Et une basira en arabe, ça veut dire des arguments rationnels. Et que moi, ainsi que ceux qui m'ont suivi, ils appellent à Dieu, ils appellent à adorer Dieu en utilisant un argument rationnel. Donc d'où les wahhabites, ils disent, ou les soi-disant salafistes, ou atharites, ou aujourd'hui tous ceux qui suivent les wahhabites, là, et tellement ils ont honte de dire qu'ils sont wahhabites, donc ils changent de mot. Non, les wahhabites, ça n'existe pas. Non, il n'y avait pas de wahhabites avant. Tu vois, ils essayent alors qu'ils ont tous la croyance des wahhabites, ou des mutaymiyah, ou des mujassima, ou des mushabbiha, tu les nommes comme tu veux. C'est la même croyance derrière que Dieu sera encore, etc. Tous, ils tiennent le même discours, c'est quoi? Faut pas réfléchir quand tu parles de Dieu. Faut pas raisonner sur la croyance. Eh bien, ça, c'est une parole bid'a dans la croyance qui est contraire à l'islam. Pourquoi? Parce que dans le Coran, Dieu l'a dit, Watilka hujjatuna. Voici notre argumentaire rationnel qu'il a accordé à Ibrahim. Et il a dit, Qul hadhihi sabili. Voici la voie que j'ai ouverte, la sunna du prophète. Il a dit, Adorons ilallahi ala basira. J'appelle à Allah, j'appelle à adorer Allah en me fondant sur une basira. El-basar en arabe, c'est la vision par les yeux. El-basira, c'est la vision par le cœur. Ça veut dire la réflexion. C'est-à-dire qu'on appelle à l'islam par des sujets aussi rationnels. Parce que la raison saine, la raison qui résonne sainement et logiquement, elle prouve la véracité de l'islam. Et c'est pour ça que les savants Ash'arite Maturidite et tous les savants de l'islam, même avant eux, Abu Bakr as-Siddiq qu'il a dit pareil, Shafiri pareil, c'était avant Ash'arite Maturidite, ils ont tous, et l'imam Ali aussi pareil, ils ont tous, et l'imam Zayn al-Abidine et d'autres, Mohamed al-Baqir et d'autres, de Ahlul Bayt et d'autres, ils ont tous détaillé en détail dans la croyance. Pourquoi? Parce que c'est l'argumentaire rationnel qui prouve la vérité de l'islam. Et plus tu raisonnes dans la création et que tu raisonnes dans l'argumentaire rationnel qui prouve que Dieu ressemble à ses créatures, plus ta foi elle est forte et plus tu évites les groupes égarés. Et moins tu es fort dans cette science-là, plus tu es sujet et en proie aux égarements et à croire que Dieu serait encore ou dans le ciel. T'as compris? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وارز عنا مشايخ المسلمين والعلماء العاملين سادات المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم يا الله يا كريم والسلف الصالح الذين بلغوا إلينا هذا الدين إلينا هذا الدين والحمد لله celui qui nous a fait savoir cette science.